Bien, bonsoir à tous et bienvenue au laboratoire du logement de la plateforme de la création architecturale. Nous allons parler ce soir d'une opération exceptionnelle. J'ai pas peur des mots. Oui, elle est exceptionnelle en tout. Et justement, on va essayer de vous le démontrer ce soir dans son montage, dans son exécution, dans sa réalisation, évidemment dans sa conception. Pourquoi est-elle exceptionnelle? Parce que sur 6 hectares, et nous avions 2 mètres d'ouvrage, on va dire ça, c'est assez classique, mais 4 architectes, déjà là, ça l'est un peu moins, d'autant que ces 4 architectes, eh bien, ils se sont choisis pour répondre à un concours qui avait été lancé par la ville de Paris. Et puis, il ne faudrait surtout pas oublier un paysagiste très important, dont on parlera. Et puis, il y a, c'est aussi la clé du système, une entreprise, Léon Gross. Et je les remercie de venir ce soir pour parler aussi, justement, du fer. Comment on est arrivé, du fer FAIRE, c'est-à-dire comment on est arrivé à fabriquer une opération pareille. Donc, la mutualisation, une nouvelle méthode de construction, c'est ce qu'on vous propose comme débat ce soir. Et pour le lancer vraiment, eh bien, on va vous passer un petit document qui va vous emmener déjà sur les lieux pour ceux qui n'y seraient pas allés. Et vous allez voir qu'on va même dans les logements, on pousse les portes. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir, c'est un document très court de ça. Le terrain fait 1 hectare 4, il y avait 30 000 m² à construire. La porte d'Auteuil, c'est une sorte de centralité routière. Et on a voulu avoir une centralité piétonne dans le prolongement de la ceinture verte. Très vite, on a décidé que la partie sociale serait plutôt dans la partie amont du projet, face à l'évidemment moi aussi, et qu'on donnerait l'adresse, on va dire, puisque souvent dans le privé, on achète une adresse, l'adresse de la porte d'Auteuil, on le donnerait à la promotion privée. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à dire, les deux bâtiments, effectivement, sud seront privés, les deux bâtiments nord seront plutôt sociaux. Donc la répartition s'est faite finalement assez vite. C'est-à-dire Debian Sgeppel privé, Rich aussi solaire, tranquille dans le nord en social et on se répartit comme ça. On avait une préoccupation de trouver naturellement le bon éclairement en fait, pour chacun des bâtiments. Donc majoritairement, ils sont orientés est-ouest. Il y a une orchestration des positions des bâtiments qui ne sont pas d'un alignement urbain, comme l'orthodoxie parisienne, haussmannienne l'appelle, ce qui permet de ce coup d'ouvrir des perspectives, des regards extrêmement différenciés. Ça, c'est tout à fait nouveau. On n'est absolument pas, et c'est ça le grand paradoxe, on n'est absolument pas dans la planification orthonormée. Quand cette opération a été lancée, en 2008, l'idée c'était d'équilibrer les pourcentages, on va dire, d'opérations sociales par rapport aux opérations dites d'accession à la propriété. C'est-à-dire qu'il y a 50% de l'opération est faite en accession à la propriété ou résidence-service, et puis 50% en logements sociaux. Ce bâtiment-là, c'est 98 logements. C'est construit en fait sur une épaisseur de 14 mètres et qui permet d'avoir avec un noyau central et des grands plateaux une flexibilité totale, donc des plateaux construits. Ce qui me permet ensuite de travailler sur le module de base que donne en général le logement social à travers le programme de Paris Habitat, qui est de préférence ce qu'on appelle des trois pièces traversantes. En réfléchissant, donc avec lui, on s'est aperçu qu'il fallait absolument qu'on soit pareil. C'est-à-dire on a le même noyau, on a les mêmes épaisseurs, la structure du plan est strictement la même. Les appartements de 4 pièces, de 3 pièces ou de 2 pièces que nous avons dans les appartements ont à quelque chose près, on va dire, le même plan. Dans le dispositif général, en fait, ce bâtiment est celui qui sert de rotule en fait, à l'ensemble, dans la mesure où il se trouve dans une sorte de transposition. Autant la place d'Auteuil, c'est un nœud, une sorte de nœud routier, autant ce bâtiment, il se veut l'articulation piétonne du dispositif général. C'est ça qui est particulier à ce bâtiment, puisqu'il se soulève, laisse des vues en profondeur. Le bâtiment qui donne sur la place d'Auteuil est le bâtiment qui a été conçu et réalisé avec Finn Geipel. Il s'installe comme une proue en fait sur la place d'Auteuil. Moi, ce bâtiment qui se détache un peu dans son expression,
montre bien que c'est des bâtiments qui sont assez proches parce qu'ils ont une matérialité commune, mais qui assument leur diversité d'auteurs. Donc on a bien 4 auteurs qui font un ensemble urbain. Donc la, je dirais, l'autonomie et la liberté de chacun était d'interpréter la partition comme il l'entendait. Quand on a commencé ce projet, on a mis ensemble à 4 ce qu'on appelait une espèce d'outillage pour fabriquer un peu toutes les façades du projet de façon à ce que l'ensemble de l'opération soit unitaire. C'est-à-dire qu'on a essayé de développer des solutions économiques pour pouvoir donner une certaine prestation supplémentaire au logement social et faire en sorte que dans la confrontation entre les logements sociaux que nous faisions, Rudy et moi, vis-à-vis des bâtiments accession, on va dire, à la propriété que faisaient Anne et Fine, qu'il n'y ait pas cette différence qu'on trouve habituellement entre l'écriture d'un logement social et l'écriture, on va dire, de gens qui ont un peu plus de moyens. Par exemple, dans le bâtiment de Rudy, on a inventé donc cette espèce de pot qui a 6 vantaux qui s'ouvrent, et puis des éléments vitrés qui permettaient de s'isoler un petit peu. On a des châssis qui font 6 panneaux qui sont pliés, on va dire, en accordéon, et ce qui permet à chacun d'avoir un prolongement de son séjour complètement ouvert. Ces châssis-là, de 6 modules qu'on retrouve essentiellement dans mon bâtiment, chez Rudy, on va les retrouver à 4 à 5 modules dans le bâtiment de Anne et de Finn. Ce qui fait qu'on a aussi industrialisé le processus et donc du coup diminué les coûts pour permettre au logement social d'être à la hauteur d'une prestation qu'on voulait de manière globale et générale sur l'ensemble de l'opération. C'est une idée un peu de la responsabilité collective de la production, mais aussi des conditions, j'ai envie de dire, doctrinaires. C'est-à-dire dans la réduction du champ consumériste, de sorte qu'on ait des matériaux, un langage commun, une narration commune, des épaisseurs, des dimensionnements, des physionomies, des volumes, des choses comme ça. Voilà. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ce projet, c'est que la mixité sociale, elle est dans le projet. Vous avez des architectes de renom qui travaillent ensemble et qui sont capables de concevoir un projet où les bâtiments dialoguent, où les bâtiments se répondent, et personne, quand ils se promènent là-bas, n'est capable de dire quel est le bâtiment de logement social et quel est le bâtiment de logement privé. Et ça aussi, c'est quelque chose de très fort, je trouve, sur le plan de la mixité sociale. On a mis au point une méthode de travail à laquelle tout le monde s'est soumis, y compris les plus difficiles. C'est-à-dire que dans l'écriture, comme dans le positionnement des masses économiques du projet, tout le monde s'est soumis à cette règle que nous avions fixée et dont nous avions signé d'ailleurs sur un bout de papier tous ensemble, dans lequel on s'engageait à respecter les règles que nous avions édictées, un peu comme les 4 mousquetaires, quoi. Ce qui avait dit à Rudy que c'était le premier vrai projet communiste de l'histoire d'architecture. Bien. Ce petit document, il nous a montré et confirmé, au cas où certains en douteraient, que le 16e arrondissement à Paris reste un grand laboratoire d'architecture. Hein, parce que dans l'histoire du 20e siècle, on pourrait faire une longue liste de bâtiments immenses. Ça avait commencé avec Guimard, pas loin de la maison de la radio, mais je ne vais pas vous refaire l'historique, sinon il nous faudrait une heure de plus. Voilà. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que les boulevards des Maréchaux, ben, ils sont assez propices à justement l'émergence d'une recherche permanente sur le logement, tout le XXe siècle. On a parlé de la fameuse ceinture rouge, allusion à la ceinture de briques tout autour de Paris, mais aussi dans le 16e arrondissement, là aussi, récemment, on a vu les logements de Sanaa, à côté de l'ambassade russe, pas loin de la porte de Dauphine. Et là, nous sommes à la porte d'Auteuil, dans un tout autre contexte, et que nous allons développer ce soir. Et puis, évidemment, on n'oublie pas, je le dis, parce que Hélène Schleuer nous a rejoint, je la remercie, de l'expérimentation sur la tour Bois-le-Prêtre, qui là aussi, dans une situation quasi périphérique, une situation de frange, eh bien on voit que ce sont des territoires d'expérimentation architecturale absolument exceptionnels.
Alors ce soir, nous avons pour parler de ce sujet Hélène Schwerer, qui est adjointe au directeur général de Paris Habitat, dont on va rappeler l'importance dans le dispositif de ce concours. Nous avons Marie-Catherine Chazot, qui est directrice chez Cogedim, qui connaît bien l'histoire du projet, là encore. Et là, elle est directrice du pôle produit architecture et décoration. Il y a M. Pierre-Olivier Ravoir, qui représente l'entreprise Léon Gross et qui était au début du projet. Et nous passerons la parole à son collègue qui a suivi l'opération ensuite. Et puis évidemment, nos architectes. Alors ce soir, nous n'en avons que deux, et non des moindres. Je voudrais excuser Finn Geipel, qui est souffrant et est vraiment très désolé de ne pas participer à ce débat, parce que tellement cette opération était importante pour lui, il me l'a dit. Et puis Rudy Ricciotti, qui est engagé dans un grand concours à Casablanca et qui ne pouvait pas être des nôtres ce soir. Donc en tout cas, les architectes, Francis Soler bien sûr, et on pourrait dire la chef, oui, parce que quand même, être mandataire d'une opération... Alors, tu l'écris comme tu veux, mais je voulais souligner que le mandataire ou la mandataire d'une opération, c'est très important, parce que en plus, vous vous rendez compte, des personnalités comme Soler, Ricciotti, Geipel, il faut quand même avoir une certaine autorité. Et donc, on va lui demander comment on a réussi à les maîtriser. Je pense qu'il y a ça. Mais avant ça, j'aimerais que nous parlions de l'histoire. Nous sommes là en situation de presqu'île. Parce qu'on est au bout donc d'un boulevard des Maréchaux et puis de cette rue qui jouxte un village très connu de petites maisons résidentielles et avec sous haute protection. Je veux parler du village Montmorency. Et donc comment on arrive à faire émerger un projet pareil avec autant d'expérimentation? Dites-nous comment à Paris Habitat, pour la ville de Paris, donc il y a eu un concours en effet, il y a maintenant une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années, 11 ans. Comment les choses se passent? Comment à Paris Habitat vous décidez que ça va se passer comme ça? Quelles sont les conditions de la réussite en d'autres? Les conditions de la réussite, d'abord, excusez-moi, j'étais déjà en retard. Bonsoir à tous et à toutes. Juste vous dire que pour nous, c'est une longue histoire avec les équipes d'architectes qui sont là aujourd'hui, puis avec Léon Gross, mais c'est une histoire qui a démarré très très tôt, dès 2001, avec la volonté de se dire que la mixité, elle doit exister partout dans Paris, comme elle a toujours existé, et qui commençait quand même à se réduire considérablement au fil du temps. Donc une volonté forte de faire de tous les territoires possibles, mutables, du logement social, du logement pour tous ceux qui sont, entre guillemets, éligibles. Donc c'est quand même pratiquement 80% des Parisiens qui, par leurs ressources, peuvent prétendre à un logement social. Il faut arrêter de penser que ce sont que les très, 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 très pauvres qui ont aujourd'hui accès au logement social. Donc il y a eu un gros boulot très amont déjà de flécher toutes les parcelles possibles mutables, dont celle de l'État, pour mettre en place des systèmes de réserve logement social à Paris. Alors tout ça avait été acté ensuite dans le cadre du plan local d'urbanisme en 2006, mais dès 2001, les opérations étaient... Voilà. Élaboré en amont par les élus, la volonté de Bertrand Delanoë à l'époque de se dire toutes les réserves, quand on peut, il faut faire du logement social. Donc là, en l'occurrence, c'était une réserve SNCF, RFF, Sovafim, donc qui avait lui en charge la cession des biens en déshérence entre guillemets, de l'État. Car il faut préciser que c'est sur le parcours de la petite ceinture. Hein, tout à fait, oui. D'où le RFF, les voies et autres. Voilà. Donc des friches ferroviaires. Friches ferroviaires, donc, et bien entendu, l'État entendait aussi aider la ville à développer du logement social. Donc bien avant le PLU, il y avait une réserve sacralisée de 50% de logements sociaux. Sachant quand même que sur le même territoire, il y avait un projet très, 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 très ancien, je crois 100% privé. Je ne sais plus, mais je crois que c'était Kaufmann et Broad qui avait capoté dans les années 90 avec des recours de voisins. Et nous, on s'est dit, bon, hey, super opportunité. Et comme vous le disiez, le 16e, c'est aussi un secteur privilégié pour faire émerger de l'architecture, de l'urbanisme, je veux dire, qui, moi, je trouve, à mon grand désespoir, un peu s'est arrêté dans les années 80-90 avec des productions médiocres, alors qu'on avait le passé, l'école de Paris, on avait des exemples juste incroyables de qualité architecturale, et qu'on s'est dit, l'enjeu aussi, c'est là, c'est de participer à redonner un nouvel élan à l'architecture, avec ce que ça veut dire en termes aussi d'usage, de qualité d'usage, à travers du logement social. Donc,
on s'est dit, on y va. Une fois qu'on avait fléché aussi Paris Habitat, ex-opaque, à acheter ce terrain directement, à des charges foncières quand même qui étaient relativement importantes, sachant bien entendu que l'idée, c'était de lancer un appel d'offres pour céder avec un projet. Donc c'était aussi l'idée quand même de tout maîtriser. Peut-être qu'on était trop dans la maîtrise, se dire, c'est un projet global, c'est pas 50% de logements sociaux d'un côté, et puis plus tard, un promoteur fera 50% de logements privés. Tout ça, c'est quand même se dire, c'est la même histoire, donc portons tout. Donc c'est vrai qu'on a quand même l'air un peu solide à Paris Habitat pour se dire qu'on peut porter des fonciers achetés à 72 millions d'euros à l'époque, et puis de porter pendant 12 années, puisqu'on a engagé ce concours avec 5 équipes, toutes de renom, on va dire, toutes composées de 4 architectes. C'était aussi le deal de se dire, il y a 4 projets en un, donc il nous faut quand même des équipes un peu pluridisciplinaires dans la façon d'être, la façon de décrire les choses, d'appétence à certains types d'architecture. Et donc l'équipe qui est en partie présente ce soir a été lauréate, pratiquement à l'unanimité du projet. Et c'est le choix, c'est de se dire aussi, le projet ne correspondait pas pile poil à l'étude de faisabilité qu'avait fait un de vos confrères architectes, d'être à l'alignement très classique, mais de dire, on va désobéir et on va suivre les équipes à raconter une nouvelle histoire, et comme je disais, travailler sur la qualité des logements. Mais c'est vrai que, on s'y attendait. Hein. C'était combien ? 7 ans ? 8 ans de parcours juridique, judiciaire, administratif, Conseil d'État, très dur, des réunions publiques très dures. Mais in fine, le projet est sorti et je crois que tout le monde aujourd'hui est ravi. Mais c'est vrai que ça a été 10 ans de galère, entre guillemets. Mais c'est là, aujourd'hui, et personne ne remet en question le projet. On va aller plus loin sur la maîtrise d'ouvrage. Mais déjà, vous, en tant qu'architecte, quand vous montez votre équipe, là, les 4, et que vous êtes confronté à cet endroit qui est plus connu quand même pour Roland-Garros que pour le logement, au moment où vous le prenez, quand même très, très honnêtement. Donc comment vous arrivez, là, à justement mettre en... J'allais dire, c'est un exercice critique sur la question de l'alignement. Comment vous rompez qu'est-ce qui fait que vous lancez ? Est-ce que c'est l'idée de créer des vues, justement, sur le village dont je parlais ? Est-ce que c'était l'idée de ne pas faire bloc, ne pas faire barre ? Est-ce que c'est ça ? Ou bien c'est, au contraire, une théorie de la fragmentation ? Comment vous arrivez à vous positionner ? Alors, tout d'abord, la constitution de l'équipe, comme Hélène l'a identifié, c'était important. On s'était choisi. Donc ça, c'est super important. C'est super important. Mais il y avait un autre facteur qui était très important, c'est qu'on a eu 4 mois pour faire le projet, ce qui était le minimum syndical pour y arriver. Parce qu'on a beau être, on va dire, 4 chevronnés du logement, surtout pour 3 d'entre eux. Moi, je le suis venu depuis, mais on va dire à l'époque, c'était surtout eux. Et il y avait donc des raccourcis qu'on a pu prendre grâce à cette expérience. Mais je peux dire que, très honnêtement, pendant les 2 premiers mois, on a pataugé comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a eu, je me souviens très bien, c'était juin, juillet, on ne savait pas comment on allait s'en sortir. Août, septembre, on a trouvé la solution. Et comment ça s'est fait ? Simplement parce que ça s'est fait grâce à cette addition d'expertise sur l'idée qu'on ne voulait aucun d'entre nous faire un coup. On s'est dit, il y a une réelle opportunité pour faire une sorte de démonstrateur eu égard à la qualité effectivement de la situation, à la fois urbaine, historique, et cet enjeu qui est quand même assez rare, dire qu'on va faire 50% de logements sociaux, 50% d'accession dans le 16e. Il y avait un paradoxe qui était, on avait l'équipe pour tenir ce paradoxe. C'est-à-dire que après, il y a eu cette addition de compétences et Fine, qui malheureusement n'est pas là, qui aurait très bien pu l'expliquer, a fait un travail remarquable d'analyse, je dirais, urbaine, historique, croisée différents paramètres, qu'on a, on va dire, chacun d'entre nous, à notre manière, était des sortes de contradicteurs positifs. Pour à chaque fois faire qu'on s'est dit, si on veut tenir les 30 000 m², il ne faut surtout pas faire du haussmannien, en l'occurrence. On a eu une démarche en fait, qui était de dire, l'haussmannien, ça a une grande qualité, c'est une matière commune, mais le dispositif haussmannien est parfois va à l'encontre de la qualité
environnemental au sens passif, hein, je veux dire, dans le mot environnemental, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que comment on fait 30 000 mètres carrés sur un terrain qui en faisait 14 000, des bâtiments, tous aussi bien éclairés les uns que les autres. Donc on a remis en cause, effectivement, le schéma directeur qui était, on va dire, une sorte de grande barre, en fait, le long du boulevard Suchet, avec des retournements, mais qui à chaque fois portait ombre les uns sur les autres. Voilà, donc c'est la grande avancée, ça a été de remettre en cause, en fait, cet énoncé pour se dire, c'est quoi aujourd'hui des logements qui seront efficaces à tout point de vue. Donc le dispositif urbain a été fondamental dès le début. On va revenir sur les logements, bien sûr. Et alors, expliquez-nous, Hélène, comment ensuite vous invitez Cogedim, comment vous les amenez à rentrer dans le jeu, comment ça se passe? Vous lancez un concours, vous faites comment vous, parce que c'est intéressant aussi cette démarche qui va engager un maître d'ouvrage qui est très engagé sur le logement, il y a une histoire avec le logement. Comment vous les faites venir? Alors, comme je disais, on les a fait venir parce qu'on annonçait un appel d'offres ouvert sur les propositions d'offres financières, charges foncières, et dans le projet, entre guillemets, d'acquisition, il y avait le projet, en l'occurrence porté par Finn et puis par Anne, voilà, qui était l'élément important. Voilà, ça c'est le projet, on ne vendra des charges foncières, bien sûr il y avait un équilibre financier à retrouver, hein. Voilà, le parti privé des charges foncières paye aussi une partie des charges foncières du logement social. Enfin, c'est tout l'équilibre qu'on a mis en place à Paris depuis 2001. Et donc, il y a eu un appel d'offres ouvert. Et c'est Cogedim qui a répondu, entre guillemets, banco sur la qualité architecturale. Même si, de temps en temps, il y avait eu des tendances, vous n'étiez pas encore là. Donc, on ne se connaît pas. Donc, si. Ah oui, dès le début, d'accord. Donc, il y avait eu des tendances de vos... Bon, d'accord. Mais c'est pour ça qu'on l'a choisi. D'accord, c'est très bien. Elle connaît l'histoire depuis le tout début. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'au début, il y a eu quelques échanges pour se dire le projet, c'est celui-là. Les relations avec les architectes, voilà, comment on peut entendre pour s'assurer aussi que la qualité perdure. Je pense que c'est aussi important. Parce que je dis, on a un acteur du logement social, mais on a un acteur de la ville. Et quand on fait du produit, que ce soit privé ou social, on doit être garant de ça du début à la fin. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on a choisi Cogedim par rapport à d'autres promoteurs pour leur céder ce projet à des charges foncières qui permettaient un équilibre de l'opération. Voilà. Alors, dites-nous comment, Cogedim, quand on vous a choisi, comment vous prenez ce projet, comment, parce que le projet était déjà conçu en termes de forme urbaine, la fragmentation dont je parlais et autres. Comment ensuite ça devient un dialogue entre vous, architectes et maîtres d'ouvrage. Comment vous le prenez, ce projet? C'est vrai que ce n'est pas la démarche classique, puisque nous arrivons effectivement, nous rentrons dans cette association, dans cette équipe qui a déjà été formée. Mais en fait, le projet correspondait en tout point à l'ADN de notre groupe, qui est ce souci de l'architecture, ce souci du produit et ce souci du travail sur le logement, sur les échanges intérieurs-extérieurs, sur le paysage. Et vraiment, ce projet nous a séduit tout de suite. Après, c'est vrai qu'il a fallu nous connaître avec Anne et avec Finn, parce que les autres architectes étaient plutôt sur la partie sociale. Donc effectivement, ça a été bon, il y a eu quelques discussions au début, mais de toute façon, nous œuvrions tous pour aller dans le même sens. C'est ça qui était super important. Et nous, le fait d'avoir cette groupement d'architectes qui était très connu dans leur individualité propre avant, qui avait une aura et une activité individuelle, de les faire travailler ensemble et de les faire réfléchir ensemble. Alors pour notre part, Finn et Anne, ce n'est pas une juxtaposition de deux talents, ça devenait une extrapolation des talents et un talent multiplié par quatre pour travailler sur divers sujets. Il y a eu le sujet des matériaux, par exemple. Quels matériaux utiliser? Quelle façon de mettre en œuvre ces matériaux? Il y a eu un travail très important sur cette enveloppe des bâtiments, la frontière intérieure-extérieure, comment on traite, on l'a vu sur les images tout à l'heure, comment on traite un balcon, une terrasse, comment on traite la limite intérieure-extérieure, le sol qui file, pour pouvoir permettre de faire en sorte que ces espaces extérieurs deviennent des véritables pièces à vivre pour les acquéreurs, pour les résidents, et faire en sorte de préserver leur intimité quand ils sont sur ces terrasses. Voilà. Et chacun des architectes a su donner sa version, sa vision des choses sur ces éléments,
et faire en sorte que peut-être on ait allé plus loin que ce qu'ils auraient pu faire individuellement les uns et les autres séparément. Il y a eu aussi tout le travail sur le paysagisme, sur l'interaction entre le paysage et le bâti. On va en parler. Et alors dites-nous, Finn Greipel, il vous a dit à Berlin, on ferait comme ça, on a expérimenté ça, est-ce qu'on pourrait pas le faire à Paris? Et qu'est-ce qui a son apport spécifique par rapport à vous, je veux dire. Alors c'est en plus que Finn Greipel, il travaillait déjà avec nous aussi sur un autre immeuble. Donc c'est vrai qu'on a eu diverses discussions avec lui, on est même allé le voir à Berlin, sur la façon d'habiter les logements. C'est vrai qu'il a une façon de voir à la berlinoise les appartements, et ça nous a aidé à aller plus loin dans le dessin de nos appartements, avec la conception des cuisines ouvertes qui prennent plus de place dans les appartements. Et ça a été un enrichissement pour nous de pouvoir travailler ces appartements avec un œil différent qui nous a poussé dans le retranchement. Vous les avez fait plus grands, vous avez poussé les normes, cette approche vous a amené à ça ou... À concevoir les pièces à vivre différemment. En concevoir l'espace séjour salle à manger comme une unité à part entière, comme la limite des uns et des autres. C'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on a été amené à travailler, et d'ailleurs avec Anne également, d'autant plus que la programmation a un peu évolué au fil des années, puisque au début c'était l'immeuble en accession était celui d'Anne, et celui de Vinca Apple était plutôt des studios étudiants, je crois, ou des deux pièces, voilà, une résidence pour homme d'affaires. Et après ça a évolué, l'immeuble de Anne est devenu une résidence pour personnes âgées, et l'immeuble de Finn est devenu des appartements résidentiels de grande taille. Alors Finn, puisqu'il n'est pas là, je rappelle qu'il a gagné un très grand concours à Berlin, qui est celui d'une réflexion sur la grande hauteur, que la ville de Paris s'est posée aussi par ailleurs, il y a quelques temps, et donc justement par le logement. Et c'est assez intéressant, donc ce ne sont pas des tours de 300 mètres, ce sont plutôt des 50 mètres ou des 60 mètres maximum, mais précisément sur ces questions constructives dont on va parler tous ensemble, il y a là des démarches expérimentales à suivre aussi, je referme vite la parenthèse. Ouais. Francis, comment vous partagez en fait le programme? Comment se fait-il que Rudy et toi vous dites allez nous c'est le social, et puis les deux autres ils vont faire le privé? Parce que comme évidemment personne de la rue ne peut distinguer, c'est ça la très belle démarche aussi qui est offerte là, c'est qu'il n'y a pas de stigmate du privé ou du public, que c'est un travail global, que c'est une unité architecturale. On va parler de l'écriture, mais comment vous partagez les choses au départ? C'est difficile à dire, mais c'est une question d'origine. Fosse-sur-Mer, Alger, tout ça. Tu veux dire que les gens du Sud, ils ont pris le social, c'est ça que tu es en train de nous dire. On arrive à parler plus social, on va dire que on va dire un peu côté très aristocratique, on va dire, de nos deux autres camarades, que ce soit Finn ou Anne. Ah, oui, c'est ça, non, mais ça joue beaucoup, hein. Ça joue énormément. Mais c'est comme ça que les choses ont été faites. On a dit, bon, nous, on prend le social, vous inquiétez pas, on a l'habitude, on sait leur parler, on a vécu avec eux. Tandis que vous, attendez, j'ai quand même vécu 20 ans à Sarcelles, donc je peux parler du social. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, je sais de quoi je parle. Je ne pense pas que ni Anne ni Finn aient vécu à Sarcelles ou à Aubervilliers ou toi non plus. Bon. Non, mais c'est pas grave. C'était juste comme ça une anecdote, mais... Et c'était pour dire que fait partie du choix. Fini, il a grandi à Stuttgart, je ne pense pas qu'il vivait dans une maison. Non, mais c'est comme ça, c'est pas grave. C'est pour ça que la prédisposition dont tu parles n'est pas évidente. Non, de toute façon, il fallait faire un choix. Comme on a dit, de toute façon, on savait que Gédim voulait avoir une adresse, donc l'adresse c'était la porte d'Auteuil, donc il serait au sud. Et puis nous, comme on dit, on s'est mis tranquille au nord, et puis on a fait notre travail. Face à la villa Montmorency, il y avait aussi un petit coup comme ça, un petit clin d'œil à Carla Bruni. Et un autre ancien président. Donc on s'était mis, on avait mis le social en partie nord, face à la Villa Montmorency, et dans le prolongement des bâtiments du boulevard Suchet, laissant à Cogedim la totale liberté de l'adresse autonome sur la place d'Auteuil. C'est bien. Non, mais vous aviez besoin de cette adresse. Voilà, c'est tout, ça s'est fait comme ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre explication. Non, mais il n'y a pas d'autre explication. Moi, j'en vois pas d'autre. Oui, oui.
On voit très bien. Alors, Hélène, en fait, il y a aussi un équipement public. Il y a, certes, il n'est pas très important, mais quand même, il est important par la taille, mais très important par sa fonction. Cette crèche qui est au... Là aussi, il fallait l'intégrer, j'allais dire, à la partie sociale. Comment ça se passe, tout ça? C'est assez évident, son placement, son attachement au bâtiment, en l'occurrence de Rudy Ricciotti. Ça a été un choix après, comme le disait Anne tout à l'heure, c'est un choix urbain, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on la place, non pas sur la place d'Auteuil, mais plutôt sur le boulevard Suchet. Il fallait que ça ouvre, enfin, au niveau des orientations, que ça ouvre sur l'Est, au soleil du matin. Enfin bon, il y a toutes des contraintes quand même qui sont liées à la crèche et donc à son emplacement. Et comme on a dit, ben Rudy, c'est toi qui vas te taper la crèche, parce que comme c'est pas facile à faire, comme ça, c'est... Voilà. Et c'est d'ailleurs Gérard Le Goff qui est ici, qui s'en est occupé, vraiment comme un chef, puisqu'il travaille avec Rudy depuis très très longtemps. C'est lui qui a fait Jean Boin, d'ailleurs, avec Rudy aussi. Et voilà, donc, je veux dire, le plan masse s'est fait naturellement, et la crèche s'est implantée naturellement là où elle ne gênait personne en même temps. Alors... Hélène, comment la partie sociale, justement, là, ce qui est intéressant, c'est aussi sur l'écriture, on voit bien que c'est aussi en rupture avec le quartier, tout en pierre, ou majoritairement en pierre. D'un seul coup, il y a le métal qui arrive. Comment, justement, cette écriture métallique sur le logement, c'est quelque chose qui vous a tout de suite conquise? Oui, parce qu'avant, c'est... Avant que d'être des matériaux, c'est aussi surtout des usages. C'est-à-dire, on est quand même dans des typologies de logements sociaux, hein, qui restent quand même des surfaces moi, que je considère plutôt bonnes, même si on aura toujours des architectes qui disent que c'est trop petit. Globalement, c'est quand même toujours plus grand que les logements privés, au passage, et c'est surtout en logement social, toujours plus grand que le logement... En l'occurrence bah, on produit plus de logements familiaux, voilà. On a quand même, nous, des contraintes qui sont légitimes, c'est de loger le maximum de familles avec des enfants, et que notre production entre les T1 et T2 reste presque marginale. Nous, l'essentiel des projets, c'est de faire du T3, T4, T5 pour loger le maximum de familles avec enfants. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui même... si on a un peu de moyens, se loger dans un grand logement à Paris reste très compliqué. Voilà. Donc on est quand même sur des surfaces, on va dire le T3 fait en moyenne 65 mètres carrés, le T4 fait 74 mètres carrés, donc on gagne chaque fois entre 10-12 mètres carrés par pièce. C'est aussi se dire comment cette structure, cette façade offre des vraies vues extérieures. C'est comment, tu le disais, c'est l'espace... Quand on est dans son logement, on est ailleurs. On ouvre ces grandes baies, on est tout de suite à l'extérieur, on a des vues incroyables voilà, sur l'environnement. Donc au-delà même des matériaux, c'est se dire comment on se compose ces façades, comment quand je suis dans ma cuisine, dans mon séjour, dans ma chambre, j'ai un paysage devant moi. Quand je suis pas, voilà, et donc d'autant, c'est des surfaces qui se rajoutent au logement et à la qualité d'usage. Voilà. Donc ça, je pense que pour nous, c'était essentiel de se dire on est sur des petites surfaces, on ne va pas offrir des grandes terres aux personnes, parce que c'est toujours très compliqué, mais pour autant, offrons-leur le maximum de lumière et de vue pour certains logements de Francis et de comme disait M. Le Goff qui a suivi l'opération pour M. Ricciotti. Voilà, on est pratiquement dans des maisons. Quoi. Quand on est dans certains appartements, on a l'impression de vivre pratiquement à la campagne ou avoir des vues et d'être seul. Quoi. Et ça, c'est quand même un des gros avantages du choix qui avait été fait de votre proposition architecturale et entre autres de matériaux. Il faut dire qu'on a un paysage absolument extraordinaire. Quand on a l'hippodrome d'Auteuil, la Défense sur l'ouest, le dernier niveau, le bâtiment de Rudy, on est allé le voir souvent, il a 4-5 pièces qui est au dernier étage. C'est une bête qui vaut 2 millions d'euros, hein, si on la vendait. Oui, mais on ne va pas la vendre, parce que non, les gens ils doivent payer 750 euros de loyer maximum. Ce que je veux dire, c'est la valeur économique signe la valeur... Mais si. Mais bien sûr que vous n'allez pas la vendre, heureusement, puisqu'on a fait du social. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des appartements qui ont quand même une résonance par rapport à l'extérieur. On a la Porte d'Auteuil, on a la Villa Montmorency, on domine un peu le site de la Porte d'Auteuil. Ça aurait été dommage d'aller se refermer sur nous-mêmes et de ne pas offrir à ces gens-là des grandes vues, quoi, tout simplement. Non, c'est clair. Et l'ensoleillement. En plus, parce qu'il y a aussi le facteur écologique dont Anne parlait au tout début. Toutes ces ouvertures sont faites aussi pour raisonner passif. C'est-à-dire que tout le plan masse a été fait pour qu'effectivement, on n'allume pas le chauffage l'hiver, on ait des systèmes thermodynamiques qui permettent de réguler la température à sa mesure, quoi, à sa thermie personnelle. Et tout ça, ça fait partie du dispositif. C'est-à-dire que la façade n'a pas été dessinée pour une façade, elle est tout simplement le résultat d'un usage.
et pour les quatre bâtiments. Oui, on va parler justement de cette mutualisation de la technique. Hélène, vous vouliez rajouter quelque chose ? Juste, et Francis a entièrement raison de se dire qu'on est, puisque ce projet est quand même un peu ancien, quand il avait été, entre guillemets, financé et livré, voilà, c'est 10 ans d'histoire, enfin livré en 2016, donc, mais c'est quand même presque une décennie. C'est, à l'époque, les notions de plan climat à la ville de Paris n'existaient pas, donc il y avait quand même déjà, bien sûr, des objectifs en termes de développement durable, et c'est vrai que votre travail sur la façade permet aujourd'hui d'avoir un confort d'hiver, mais aussi confort d'été, qui est le gros sujet aujourd'hui à Paris. Mais c'est vrai que du coup, on avait aussi, après, récupéré d'autres types de financement pour être plan climat, mais vous répondez aujourd'hui aussi au problème de confort d'été qui était à l'époque peut-être mal aussi encore perçu. C'est mal défini, quoi. Oui, voilà. C'était pas défini. Explique-moi, pourquoi c'est toujours si long ? Alors, je sais bien, il y a toujours les recours, il y a toujours tout ça, mais c'est vrai que ça paraît long quand vous parlez comme si c'était du passé. Non, mais c'est vrai, parce qu'il faut mettre ça dans des contextes calendaires et c'est important. Mais on trouve toujours que c'est long pour produire du logement. 11 ans. Oui, c'est long, parce que là-bas, c'est une histoire qui a... Moi cette parcelle, j'ai commencé à travailler sur cette parcelle, sur les biens mutables, à partir de 2001. Donc pour moi, c'est des très très vieilles histoires. En même temps, c'est vrai qu'il y a eu, dans certains secteurs, et qui se développent de plus en plus dans Paris, c'est les recours, je veux dire. On a quand même un phénomène qui, à l'époque, était très localisé dans les arrondissements déficitaires en logements sociaux de l'Ouest parisien, qui aujourd'hui font des petits-enfants, puisqu'il y a des recours pratiquement sur tous les projets. Bon, pas tous, mais pratiquement. Et donc, c'est vrai qu'on a tenu aussi, parce que pour nous, il y avait quand même cette idée de bien commun, de faire du logement social, et de dire, on ira jusqu'au bout. On prendra les risques, on portera ce projet, parce que... 10 ans, c'est long. Et en même temps, à l'échelle de la ville, à l'échelle d'une vie de famille, c'est rien non plus, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai complètement intégré dans les modes de faire aujourd'hui de la ville, de faire du logement, le temps qui peuvent paraître pour les architectes ou même pour les promoteurs, je le reconnais, très long. Nous, bailleurs sociaux, on sait que dans certains secteurs, il va falloir 10 ans, 11 ans pour sortir les opérations. Voilà. Et puis, en contrepartie, il y en a d'autres qui sortent. Juste là, on finalise la Caserne de Reuilly aussi, mais il y a Fingeipel qui a travaillé avec nous, on l'aura tenu en moins de 6 ans entre l'acquisition et la livraison. Voilà, il y a des cas un peu particuliers. Mais je pense qu'au niveau de la ville, c'est pas très grave si ça prend du temps. Le tout, c'est de tenir bon, quoi, voilà. Alors justement, parlons maintenant de la conception, construction, on pourrait dire. Parce que là, la partie constructive, le dispositif que vous allez mettre en place, il est assez exceptionnel. Comment vous arrivez, justement, qui propose ou comment on arrive à ce qu'une entreprise, précisément, parce que c'est un peu la clé du système, vous arrivez presque à maîtriser les coûts parce qu'il n'y a pas 4 entreprises ou il y en a une. Est-ce que, justement, cette mutualisation que vous arrivez à mettre en place, c'est quelque chose que vous déterminez ou qui c'est de la sérépidité, c'est-à-dire que c'est arrivé alors que vous cherchiez autre chose ? Non, ça fait partie, je dirais, de la partie de la complétude du manifeste qu'on a voulu mettre en place dès le début, qui avait comme préalable la question de l'économie, et qui mettait en exergue cette économie pour avoir cette dimension politique de l'équivalence entre le social et le privé. Et donc, on a considéré que... Et l'objectif, c'était que ce soit à la fois économique et beau. Donc, le manifeste était à la fois politique et esthétique. Et là, pour y arriver, on avait parfaitement conscience que la chance naturelle du projet, là, pour le coup, passive du projet, c'était ces 400 logements. 400 logements, c'est pas rien. Hein. C'est en termes de masse constructive, on commençait à parler d'industrialisation. Et on avait fait le pari assez tôt, mais il y a eu, on va dire, des allées-venues en fait dans le montage que vous avez porté jusqu'au permis. Et heureusement, parce que je dirais que ça fait partie de la réussite de cette opération, c'est vrai que le facteur temps a été lourd à porter, mais nous a permis de confirmer certains enjeux qui étaient de dire il faut sortir des lignes habituelles de la construction du logement et pour ce faire se dire comment on renoue avec une industrialisation créative, c'est-à-dire comment on considère que l'effet de masse, c'est-à-dire une simplicité, donc on a misé sur la simplicité constructive du gros œuvre qui nous a permis de considérer que la valeur d'usage qui a été mise en scène
dont tu as parlé, Hélène, qui est l'élément déterminant, qui est la caractéristique du social et du privé, soit possible grâce à cet effet de masse et donc cette industrialisation des différentes composantes. Et c'est là où le fait d'avoir quatre auteurs qui étaient dans une même synergie, d'avoir une seule pièce urbaine à jouer, et on a pu considérer que les différentes composantes qu'on a dessinées ensemble, chacun a dessiné une partie, et l'a utilisé dans son propre bâtiment, on s'était dit, eh ben, on va défendre auprès de nos deux maîtres d'ouvrage, Paris Habitat et Cogedim. On a parfois été cru, parfois pas été cru, mais globalement, en fait, avec le temps, on a persisté. Et on a dit, ça ne marchera, on tiendra les prix, on s'engage à tenir les prix. Et on a tenu les prix si on a une seule entreprise. On a continué de façon un peu têtue. Et ça s'est d'abord concrétisé grâce à on va dire, un grand talent qu'a Francis, c'est-à-dire de créer de la confiance auprès des entreprises, c'est-à-dire de dire, voilà, je m'engage à trouver les moyens pour que vous ne perdiez pas de l'argent. Mais à la base, en fait, il y avait une conception. Non, c'est vrai, hein, c'est un peu, en gros, la méthode. Mais à la base, il y avait une conception sur la structure qui était répétitive, donc industrialisable. Et après, j'imagine qu'on le verra un tout petit peu, c'est qu'on a industrialisé les composantes de toutes les façades, ce qui fait que l'effet de masse a fait qu'on avait des prix extrêmement compétitifs. Alors, ce n'est pas tellement la culture de Cogedim, ça, d'être dans la boîte à outils, comme ils ont inventé ou tout. Là. C'est comment vous êtes familiarisé avec cette pratique? Je ne parlerai pas de boîte à outils. C'est leur mot à eux. Oui, hein. Oui. C'est peut-être. Pas le mien. Non, mais la rigidité ou la structure structure de leur procédé nous a permis d'être beaucoup plus souples sur d'autres domaines, donc de faire des appartements différents. Dans notre partie, les acquéreurs qui achètent nos appartements cherchent de la variété, qui n'est pas l'appartement, le même appartement que leurs voisins. Donc ça nous a permis une grande souplesse de pouvoir faire des jumelages. On a vendu énormément d'appartements jumelés, qui nous a permis de travailler sur la personnalisation des appartements. Et ça, pour nous, c'est un réel plus. Alors, Francis, boîte à outils, elle vient comment, cette idée de la boîte à outils? Elle vient comme une évidence. On a fait la structure, on a bien compris le principe de la masse critique. Sous-entendu, s'il y avait eu moins de logements, ça n'aurait pas été possible. Ça, c'est très, très clair. Donc, d'ailleurs, vous la situez où, cette masse critique? 200 logements. À moins de 200, n'y pensez pas. Voilà. Quoique, c'est une sorte de record à battre. Hein. Il faudrait arriver à le faire avec moins, peut-être. Hein. Oui, Francis. C'était essayer de trouver. Alors, les trois bâtiments, ceux de Philippe de Fine, celui de Rudy et le mien, ils sont strictement construits de la même manière, puisqu'on a un noyau central, des portées de 7 à 8 mètres de chaque côté et des façades porteuses. Ensuite, le bâtiment de Anne, qui était plutôt à la rotule, c'est un peu le même principe, mais sur quatre côtés, on va dire. Mais on construit ça un peu de la même manière, mais Pierre vous le dira mieux que moi. Ensuite, il y a le problème des fluides, puis ensuite vient le problème des façades. Et le problème des façades, c'était de dire, on veut finalement, on nous a pris, on demandait au départ, effectivement, quatre architectes pour qu'on amène de la diversité. Cette diversité, elle sera le travail des auteurs que nous sommes, peut-être, mais on va essayer de faire en sorte qu'on revienne à une écriture commune. Et pour ça, on va faire un peu comme faisait Haussmann, c'est-à-dire avec des maîtres d'œuvre différents, essayer de travailler avec des composants qui étaient les mêmes. Donc on a commencé à mettre au point des systèmes de châssis à 4, à 5, à 6, à vantaux, qui permettaient d'ouvrir des baies, ou plus ou moins, de façon plus ou moins importante. Et puis on a commencé à travailler sur les volets, puis les volets, on a inventé des tas de trucs, et les volets qui se trouvaient à l'extérieur, chez Rudy, face à mon bâtiment, se retrouvaient chez Anne à l'intérieur, puis chez Fine en façade, etc. etc. Donc on se passait des éléments qui étaient les mêmes outils. Et c'est vrai qu'on sait que par les effets de série aujourd'hui, on arrive à fabriquer des choses qui sont moins chères. Voilà, c'est pour ça, comme ça qu'on a pu passer dans les prix au départ, avec Christophe Carminati, puis avec Pierre-Olivier, on a mis ça en scène, en place. Mais ce que je voulais dire par rapport... tout ça, c'est important, parce que cette chose s'est faite dans le temps. Et là, Hélène, c'est important ce que tu dis, parce que la notion du temps et de l'architecture est liée. C'est-à-dire que je dois préciser quand même que ce bâtiment a été dessiné il y a plus de 13 ans maintenant, 12 ans, et que nous n'avons pas changé une virgule de ce projet.
C'est-à-dire qu'on n'a pas changé, on n'est pas tombé dans les effets de mode, parce que le problème de la longueur, c'est qu'on est quand même un peu tenté de mettre un petit peu plus de choses qui sont aujourd'hui plus à la mode ou qui sont dans le moment. Et puis au bout de 5, 6, 7 ans, on s'aperçoit que c'est déjà ringard, donc on change. Là, pas du tout. On a mis au point un système qui, en fait, est relativement, je dirais, classique. C'est contemporain, c'est moderne, mais c'est un bâtiment extrêmement classique et qui travaille avec des composants très simples, qui se multiplient, on va dire, à l'infini. On a quand même plus de 1200 châssis identiques. On n'a pas 4 fois 500 châssis, on a 1200 châssis identiques. De la même fabriqué, c'est Choucault qui a fait ça, je crois. Choucault. Donc voilà, donc c'est ça. Mais je vais passer la parole peut-être à Pierre-Olivier qui a été. C'est moi donc, qui distribue la parole. Si ça t'ennuie pas. Non, mais les Francis, ils exagèrent toujours. Les Francis, t'as vu comment ils sont? Mais c'est bien volontiers, j'allais vous la passer. Monsieur Ravoir, expliquez-nous, justement. Alors, en fait, déjà. C'est vrai qu'au début du projet, quand on a démarré les travaux, ce qu'il faut souligner aussi, c'est la pédagogie en fait, des architectes par rapport à l'entreprise qu'il y a eu. Tout de suite, on nous a expliqué le projet, ce qui nous a permis en fait, d'identifier les enjeux, donc notamment la boîte à outils, et de comprendre qu'en fait, il y avait, parce que en fait, les 4 bâtiments ne sont pas montés de manière simultanée. On a déjà monté en fait, les 2 bâtiments de Parabeta, puis après ceux de Cogedim. Et donc, du coup, on a compris en fait, le système de boîte à outils, et les enjeux qui se transposaient en fait de Parabeta après sur la partie de Cogedim. Et donc cela nous a permis déjà de prendre cette dimension en compte. Et après, ce qui a sauté aux yeux, effectivement, le gros œuvre a été assez épuré et donc rapide dans la partie constructive. Mais on a identifié effectivement la problématique des façades qui était, pour donner un exemple, les 2 premiers bâtiments, on a 18 000 m² de façade qu'on devait exécuter en 6 mois. Avec une succession jusqu'à 9 entreprises qui intervenaient pour chaque mètre carré successivement, parce qu'il y a une superposition de double pot. Tout cela, en fait, on a pu l'anticiper et donc le préparer au mieux. Et ça a tellement bien fonctionné, du coup, qu'on a même pu livrer avant et permettre à la crèche d'ouvrir pour le mois de septembre, par rapport au délai initial qui était prévu d'octobre. Donc ça a été vraiment une collaboration et qui a permis justement d'industrialiser le produit, comme on le parle, et aussi d'industrialiser la pose. Et c'est souvent là où le bât blesse dans la pose, au niveau des façades. Donc il y a vraiment une réflexion sur l'ergonomie par rapport aux ouvriers qui a été mise en place pour que ce qui avait été imaginé sur un prototype puisse se faire sur des quantités telles que 18 000 m² et 36 000 m² si on prend l'ensemble avec les 4 bâtiments. C'est une belle histoire de processus, là, à partir d'un projet, j'allais dire, très tenu et très pensé dans toutes les compartiments, si je puis dire, du jeu de construction. C'est quand même assez intéressant. Hein. C'est assez rare, ça, non? Non pas que les architectes aient un point de vue sur le système constructif, mais de le penser de cette manière, dans cette diversité. Ça ne vous a pas frappé chez... Oui, c'est rare, je le reconnais. Même si des choses maintenant, peut-être des effets de mode dont tu parlais, font qu'on va sur des choses plus simples. Et je reconnais qu'avec Léon Gross, vous avez tenu vos engagements. Juste préciser aussi qu'on a lancé les travaux, enfin l'appel d'offres et les travaux, alors qu'on n'avait pas purgé l'ensemble des recours. Mais à un moment, on a fait un choix d'y aller aussi. Parce que, voilà. Et ça, c'était aussi important de se dire... la justice vit sa vie, le monde juridique, là, moi qui m'y toujours loin, et voilà, on y va. Non, je pense que c'est vraiment, et on le voit, on a plein de chantiers en cours, on voit les difficultés qu'on a quand on n'est pas sur des choses dessinées, simples à mettre en œuvre aussi pour les compagnons, quand on a une multitude des fois de matériaux, d'écritures. Je ne porte aucun jugement, hein, mais on voit aussi les difficultés qu'ont les entreprises à trouver les bons sous-traitants pour tenir ces façades et puis ne pas avoir de retard. On a pas mal de chantiers aujourd'hui où on a des retards liés justement au fait que les maîtres d'œuvre n'ont peut-être pas assez pensé justement à tout ce que vous avez fait vous sur la gare d'Auteuil. Et je vois la différence entre des productions d'opérations où on tient les délais
parce qu'il y a cette réflexion, et c'est certains architectes qui ont vraiment ça en eux, je veux dire, voilà, c'est partie de leur travail, et d'autres où ça dérape complètement parce qu'on est sur des objets uniques, de petite taille, où pour l'entreprise, c'est vraiment pas tenable. Et ça, je pense que pour la maîtrise d'ouvrage, je pense privée comme sociale, ce sont des choses très très importantes. Et puis surtout, ce qui dit, si on parle de système constructif simple, si on parle de façade, pour autant, il y a une réelle richesse. Il n'y a pas une pauvreté. Au contraire, je veux dire, vous avez pu prouver que, tout en étant sur des systèmes constructifs répétitifs, vous êtes sur une réelle richesse de l'écriture. Voilà. Je pense que ça, faut le souligner quand même. Oui, il faut préciser aussi que si c'est possible, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu une véritable complicité. C'est-à-dire qu'on ne prend pas l'entreprise comme quelque chose qui était une ennemie, mais au contraire, avec qui on travaille. C'est-à-dire qu'on a travaillé dès le départ le plus vite possible avec l'entreprise. Mais ça, c'est possible parce que nous avions la mission de chantier. Voilà. Et quand les architectes ont la mission de chantier et qu'ils savent construire des bâtiments, parce que les architectes savent aussi construire des bâtiments, et ne pas s'arrêter seulement aux missions de permis de construire, comme on le fait de plus en plus, et la loi Elan favorisant ce genre de choses, on en parlera, c'est peut-être un autre débat. Hein, et donc, ce qui veut dire qu'à partir du moment où on a la mission de chantier, à partir du moment où on considère que l'entreprise est un véritable partenaire, eh ben, ça se passe bien. Parce qu'on parle, parce que souvent, on se posait des questions, comme toi aussi de ton côté, hein, avec les gens que j'ai dit, et puis ils nous disent non, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, on faudrait autrement. Ben, ok, on change, on modifie. Ça permet de gagner 8 jours, 15 jours, 3 semaines. C'est bon, on modifie, c'est pas grave. On change la section, on a changé des tas de trucs ensemble. Mais c'est des petites choses, mais c'est des choses qui ne correspondent pas à des appauvrissements de la matière qu'on met en place, mais tout simplement à des méthodologies qui leur sont propres. Donc ça veut dire que nous, on adapte notre écriture ou notre volonté de dessin, d'architecture, à leur technicité, à leur savoir-faire. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut que les architectes aient des missions de chantier et qu'on soit présent, parce que ce n'est pas tout d'avoir une mission de chantier. Il faut aussi être présent sur le chantier. Alors Anne, toi qui étais comment tu as maîtrisé les quatre là ? Parce que tu n'as pas beaucoup développé ça. Comment tu les as tenus là, C'était en fait très très drôle, très très drôle. Parce que, ça je veux bien le croire. Parce que en fait quand même, de défendre le projet à Paris, c'est quand même un parcours du combattant quand même. C'est-à-dire qu'on le présente à différentes instances, il faut convaincre beaucoup de gens. Et au début, dans les premières réunions, on y allait souvent à quatre, paradoxalement. Mais j'étais la seule à parler, et eux, ils étaient derrière. Enfin, légèrement derrière, ostensiblement un peu derrière. Alors qu'on était à côté, mais c'était genre... Voilà. Et ça inquiétait. Et du coup, moi, je pouvais faire le job... faire dire tout ce qu'il fallait, comme il fallait, bien, etc., appliquer. Et puis, de temps en temps, il y avait mes interlocuteurs qui me disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils disent rien, ils ne sont pas d'accord, etc. » Donc, ils étaient tous très inquiets. Et que, du coup, il y avait une sorte d'attention partagée sur le sujet et le fait qu'il fallait tous, y compris les raisons qu'on nous opposait, soient justifiées. Quoi. Et donc, en réalité, ça s'est fait dans une sorte, un peu... les remarques de Francis tout de suite, c'était comme ça les discussions, c'est-à-dire qu'on est à la fois extrêmement sérieux mais toujours avec beaucoup de recul, et le fait que c'est des très grands professionnels à un moment donné, et c'est facile. Le problème de l'ego n'a pas existé dans cette opération, simplement parce qu'il y avait la volonté assumée des quatre de faire un projet exceptionnel, et donc du coup la question de la visibilité de chacun n'était pas le sujet. Réellement. Donc c'était plus une gestion, une articulation du fait que chacun puisse faire dans le bon timing son travail. Quoi. Là, on entend des conditions assez idylliques de travail entre quatre architectes. Tu confirmes, Francis ? Oui, et puis même quand on était derrière elle, je me souviens de cette scène, c'était, je crois, les architectes des bâtiments de France, non, c'est ça ? Et là, au moment où Rudy est interrogé, il lui dit « Mais vous n'avez rien à dire ?» Derrière, il dit « Vous saurez assez tôt si on a quelque chose à dire. » Et en fait, ça s'est bien passé. Elle a réussi à défendre le projet toute seule et ça s'est très bien passé. On n'a pas dit un mot. Et les ABF étaient pour le projet. Oui. Ils étaient pour. Hein. Ils étaient pour. Ils avaient défendu. Ah bon, oui, c'est quand même un projet qui a une grande cohérence. Donc, comment avec Louis Bénèche, après, parce que tu as beaucoup parlé de cette question de faire les liens, et comment arrive cette.
ce fil vert là qui vient là justement qui ne s'empare pas des façades. Oui. On le soulignera, mais qui précisément reste bien au sol et développe précisément un projet là très dessiné et qui je trouve qu'il y a un dialogue très fort graphiquement même on pourrait dire. Mais Louis, c'est Louis Bénèche, c'est quelqu'un d'extrêmement fin dans la compréhension des situations. Donc il a très bien compris cette coopérative des moyens, quand elle était déjà en place quand il est arrivé. En fait, il s'est dit, parce que je sais que là, j'ai fait visiter tout à l'heure l'exposition, on m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas mis de la végétation sur les façades? Tu fais bien de le souligner. Ce qu'on appelle une tendance, non? Voilà. Mais en l'occurrence, il n'avait aucun sens dans la mesure où on se trouve dans le prolongement de la coulée verte. Et on a parlé plutôt de parc habité plutôt que de, on va dire, de végétalisation. C'est-à-dire que les bâtiments ont leur propre autonomie, mais sont librement disposés dans un parc. Donc on n'a pas besoin de mettre du vert sur les façades alors qu'on est dans un parc, dans le prolongement d'une coulée verte. Donc tout ce que le travail magnifique qu'a fait Louis, c'est d'arriver à faire une sorte de transition douce entre justement les qualités endogènes en fait de la végétation en fait de la coulée verte pour en prendre en fait différentes espèces avec trois strates arbustives, la strate basse, la strate moyenne et la strate haute avec quelques arbres, mais surtout qu'il l'a organisé en disant je ne veux surtout pas faire, étant donné la disposition très libre que vous avez agencée, des petits cheminements, des petits massifs, etc. Donc il a considéré que c'est le bâtiment central qui était le mien, avec sa forme géométrique, très auto-normée, pouvait être la base d'un jardin, puisqu'il a simplement rabattu la façade de mon bâtiment pour dessiner une sorte de carvoyage qui sera à la fois cheminement auquel on peut déambuler, avec la possibilité au sein de ce carvoyage de planter ou pas, c'est-à-dire de mettre une dimension minérale. Donc c'est cette fluidité du dispositif en fait, qui est sa contribution au même titre qu'un des quatre architectes, c'est-à-dire qu'il a considéré qu'il avait déjà les outils pour faire son jardin. Alors, chez Cogedim, quand ils ont vu cette pièce d'art contemporain, presque, hein, parce que je montre ce lieu qui est intriguant, on ne s'attend pas du tout à être pris par cet espace tout en profondeur. Comment vous avez réagi à ça? Est-ce que c'est pour le coup pas courant dans votre production? Non, mais c'est vrai que le fait de mettre en scène ces ascenseurs dans cet espace assez magique nous a fait avoir plusieurs discussions, parce qu'au début, ça devait être des appartements, des grands appartements qui étaient dans cet immeuble et qui avaient des fenêtres, des cuisines qui donnaient aussi et des parties annexes qui donnaient, des salles de bain aussi qui donnaient sur cette partie intérieure. Et c'est vrai que le fait de pouvoir mettre en scène ces fenêtres sur cet espace intérieur, nous a tout de suite intéressé. On a eu quelques petits sujets parce qu'il y avait des problèmes d'occultation, des problèmes de sécurité incendie, parce qu'on ne pouvait pas effectivement ouvrir de fenêtres sur cet espace. Mais non, l'espace a toujours eu un attrait super important et nos parties communes sont toujours un élément très important des immeubles. Quelle est la réaction des habitants, justement, déjà sur cette partie-là et comment l'opération est vécue globalement? Alors, sur cette partie-là, en l'occurrence, il s'agit, comme je vous disais tout à l'heure, d'une résidence que j'ai dit, d'une résidence pour personnes âgées, qui est pas tout à fait totalement habité, puisque c'est des appartements qui sont en location et les habitants arrivent au fur et à mesure et elle n'est pas encore à 100% habitée. Mais ils sont très très attachés à tous les détails de cet immeuble et notamment à cette partie-là qui est grandiose. Hélène, du côté des logements sociaux, comment les premiers locataires, quand ils ont ouvert ces terrasses, ont découvert ces logements traversants, ils ont vu ces vues, comment ils ont exprimé quelque chose ou ils ont rien dit, ils ont trouvé que c'était normal qu'on leur donne ça? Non, mais... Oui, il y en a toujours forcément qui pensent que c'est normal. Voilà. Moi, je suis toujours aussi la première choquée en me disant « Waouh !» Je ne pourrais jamais vivre là, mais ce n'est pas grave. Mais certains, oui, malheureusement, pour eux, c'est normal. Non, globalement, je sais qu'on a visité quand même pas mal de ces logements une fois qu'ils étaient occupés et que
chaque fois, c'était une jolie histoire de gens qui nous expliquaient leur parcours avant d'arriver là, parce qu'ils avaient vécu à 4 dans 50 mètres carrés dans le 16e arrondissement, qu'elle était prof, que lui était policier, qu'ils n'en pouvaient plus avec les deux adolescents. Et chaque fois, c'est des jolies histoires où chaque fois aussi, on voit que les gens s'emparent des espaces, que c'est bien loin de tout ce qu'on a pu imaginer quand on a fait des logements témoins, quand on imagine, quand on travaille sur des plans ou en logement témoin, comment vont vivre les gens. Et chaque fois, je trouve que c'est des nouvelles histoires qui sont au-delà du projet. Et juste, c'est que je n'ai aucun retour négatif. Je peux vous dire que quand on est bailleur social, la moindre difficulté que rencontrent nos locataires, les locataires ont un degré d'exigence important, surtout quand ils sont parisiens, par rapport à beaucoup d'autres, tout remonte tout de suite. Donc on a une gardienne qui est un peu exceptionnelle aussi sur le site et qui aime le site, parce que ça, je pense que c'est aussi important d'avoir du personnel de proximité, des collaborateurs de proximité qui aiment là où ils travaillent et où ils vivent, où ils respectent les lieux, où ils font respecter les lieux. Je pense que c'est aussi quelque chose de très important. Mais globalement, je n'ai pas eu de retour négatif depuis le début. Les gens sont là maintenant, ça fait plus de 2 ans, il n'y a eu aucun départ. Et je sais que les gens qui souhaitent une mutation pour rejoindre ces deux immeubles sont nombreux. Voilà. Donc moi, quand il n'y a pas de retour, il n'y a pas de lettre recommandée où on se fait malmené, et c'est aussi merci à l'entreprise qui a su mener correctement ce projet, et puis la GPA et le service après-vente, mais non, je crois que tout se passe très très bien. Non, mais c'est intéressant à souligner, parce qu'on ne sait jamais ça, on n'a jamais les enquêtes, on ne sait pas. Nous, on a une vision, j'ai évidemment tout le public de l'architecture, évidemment, il rentre dans la dynamique du projet. Les habitants peuvent avoir une toute autre vue de ce... Et sur l'écriture architecturale, ils se sont prononcés, il y en a qui trouvaient ça trop sombre, trop froid, trop... J'essaie de trouver des défauts, parce que là, on n'arrête pas de... Il y a bien des défauts dans ce... Oui, je pense que ça va être compliqué. Enfin, globalement, je sais que les gens mettent quand même en avant, quand ils vivent dans un bâtiment qui a une qualité architecturale qui est autre chose, quelque chose de banal, hein, quand on fait des enquêtes de satisfaction après livraison, 1 an, 2 ans après, ils le soulignent. Ils vivent dans des lieux exceptionnels et ils sont fiers d'habiter là et de dire qu'ils s'arrêtent là en bas de chez eux. Voilà. Et ça, je pense que c'est aussi renvoyer une image positive des locataires de logements sociaux où le social se confond avec le privé. Et ça, c'est la vraie mixité. Je veux dire, mais c'est la mixité à la Haussmann aussi. Voilà. Donc ça, globalement, les gens sont satisfaits. Mais par exemple, sur les usages, entre le moment où Francis a travaillé, par exemple, sur son projet, avec des grandes cuisines ouvertes sur les séjours, et le moment où on a vu le témoin, on a dit que c'est juste plus possible de pouvoir livrer des logements avec des grandes cuisines ouvertes dans des séjours de logements sociaux à partir du T3, T4. Voilà. Donc c'est vrai que ça a été un peu un chamboulement, qu'il y avait aussi ces problèmes d'accepter handicapés, PMR pour rendre toujours accessibles les cuisines. Donc c'est en travaillant aussi avec Francis qu'on a trouvé des systèmes de grandes portes coulissantes qui permettent d'ouvrir le lieu et donc sur les espaces quand on le souhaite, mais aussi quand on rentre chez soi, qu'on est fatigué, qu'on n'a pas fait la vaisselle, qu'on n'a pas tous des lave-vaisselle à la maison, on ferme ses cloisons et on est dans son salon et on vit sereinement. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on apprend quand on fait des enquêtes de satisfaction, que le mythe de la cuisine ouverte systématiquement, on est des fois poussé de le faire, mais non pas pour des choix d'usage, mais plus par des choix de fiches de l'eau, de profondeur, de fiches de l'eau qui font qu'on a des logements qui sont compliqués à organiser sans ces cuisines en second jour. Et là, justement, tout le travail que vous avez fait sur l'usage nous a permis d'anticiper, de travailler en travaux supplémentaires, voilà, mais de dire on peut fermer. Et ça, c'est des choses, justement, c'est des retours qu'on a de nos enquêtes de satisfaction qu'on fait chaque année pour nous aussi remettre en question ce qu'on appelle, nous, les titres, donc des préconisations techniques et d'usage sur lesquels on travaille et qu'on fait travailler des maîtres d'œuvre. Et du côté de Cogedim, vous confirmez que la mixité opère, comme on dirait, l'alchimie opère ? Oui, il n'y a aucun sujet pour nous, d'autant plus qu'on a l'habitude de travailler sur des immeubles à usage mixte. Parfois même, c'est au sein du même bien immeuble. Bien sûr. Nous avons des appartements diffus sociaux à l'intérieur de nos immeubles et ça n'a jamais posé de problème pour nos acquéreurs, ni pour notre travail commun de conception des appartements. La question de la... Parce que qui dit mixité, proximité, mais aussi promiscuité parfois. Comment c'était... J'imagine que vous avez pensé dans l'orientation des bâtiments à ces choses-là, la question des vues sur les appartements des autres. Oui, et c'était un élément qui a contribué
à donner de l'air en fait à chacun des bâtiments. C'était, on a simplement rapproché chaque bâtiment aux angles, ce qui fait que la façade en fait qui était ainsi dégagée n'avait jamais de vis-à-vis. Ça, c'était en fait la clé du dispositif général. Et le fait, par exemple, mon bâtiment, il a des tôles un peu plus, enfin des ouvertures moins larges en fait quand il se rapproche de celui de Fine ou quand il se rapproche de celui de Francis. Enfin, il y a des dispositifs comme ça, on va dire, il y a le réglage en fait du plan masse et après il y a le réglage des angles en fait qui ont accompagné ce dispositif général. Oui, parce qu'il y a donc un grand succès médiatique d'une opération à Montpellier où précisément avec toutes ces terrasses et autres, la question qu'on se pose tous, c'est comment justement se gèrent ces vues sur les terrasses des autres. Parce que là, pour le coup, tout est une sorte d'éventail. Donc d'où cette question, mais je sais bien que ce n'est pas la même situation, ce n'est pas le même projet, mais quand même cette question se pose tout le temps. Oui, et tu as raison, et en fait c'est donc le dispositif du plan masse, des angles, et on a chacun traité... comme on l'a dit, différemment, la question de l'intimité. Dans mon bâtiment, moi, j'ai fait des loggias, donc ce qui fait qu'à tout moment, les occupants peuvent tirer en fait, le mouchard à biais. Chez Fine, en fait, il est plus exposé, en fait, Fine. C'est vrai qu'il a mis en scène, en fait, plus les balcons, mais il a joué sur un effet, en fait, un effet cinétique, en fait, du barodage et du bardage intérieur qui fait qu'il y a une sorte de moirage qui crée une sorte de filtre, quand même. Et Francis a créé une sorte de multicouche. En fait, c'est le grand spécialiste des couches multiples. Il aime bien. On se souvient avec la RIVP, là, les logements au pied de la grande bibliothèque, avec les. Ah oui, c'est. Non, mais c'est vrai que les deux hommes du Sud, hein, puisqu'ils revendiquent ce dispositif, se sont mis mouche à rabier, filtre et double filtre, parce qu'ils aiment pouvoir agir en toute impunité. Donc, la question que tu poses à propos du projet de Montpellier, sous Fujimoto, c'est justement l'inverse de ce qu'on a fait. C'est-à-dire, nous, on préconise un usage et ensuite on adapte une architecture à l'usage qu'on donne. C'est-à-dire, on fait une analyse d'abord de comment vivent les gens, comment est leur intimité, comment ils peuvent parler aux autres, comment ils peuvent être socialement ensemble. Le bâtiment de Fujimoto, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il dit, vous allez habiter dans mon architecture. Alors, il met des paliers n'importe où, n'importe comment, ce qui fait que quand on balancera des noyaux d'olive, parce qu'ils prennent l'apéritif à Montpellier, hein. À l'apéro, c'est important, hein, à partir de 16h, 16-17h, ils sont déjà à l'apéro. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en plus, le balcon, il n'est pas en dessous, il est à côté, tu vois, de chaque côté. Donc, ça va être vraiment un problème. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment que les gens aient... Le parcours de l'olive. Non, mais on en parlera. Le parcours du noyau d'olive, Je te propose un autre débat là-dessus. Non, mais là-dessus. C'est un vrai débat. C'est intéressant. Vrai débat. Intéressant, mais... Comment ces choses vont... C'est-à-dire, on dit aux gens, vous allez vivre de cette manière-là. Moi, c'est pas... Je préconise. Mais... Non, mais quand je parlais de ça, c'était uniquement par la question des vues. Et merci pour la réponse. Avant de passer la parole à Sal, j'avais envie de demander à Hélène, est-ce que cette expérience, parce que c'est quand même une expérience, une aventure, un projet toujours unique, situé, hein, donc on est bien d'accord qu'on lutte, surtout dans cette maison, et vous aussi d'ailleurs, contre l'architecture générique, celle qu'on pourrait voir partout, mais est-ce que néanmoins la démarche est exportable. Est-ce que la démarche peut s'appliquer ailleurs? On a bien entendu qu'il faudrait au moins 200 logements. Est-ce que, de votre point de vue, c'est quelque chose que vous avez envie de réitérer? Je ne parle pas de l'écriture architecturale, je ne parle pas de ça, je parle de la démarche. Prenez le micro. Oui, moi je pense que c'était... Alors, c'est... Bien. Je vais reprendre, excusez-moi. L'idée, quand même, c'est de dire, on prend quatre architectes de renom. S'ils se choisissent, comme le disait Anne, c'est qu'ils s'apprécient, ils ont envie de travailler ensemble. Donc on a déjà une première... des ingrédients qui font que normalement le projet doit bien se passer. Je pense qu'il n'y a rien de pire que lorsque vous arrivez déjà dans un terrain, entre guillemets, avec plein de gens différents, qui ont tous des projets un peu différents et qu'on est dans la capacité justement de faire travailler les gens, s'entendre, s'accorder. Donc
Moi, je pense que c'est un exemple. Là, c'était un exemple. C'est vous qui avez organisé un petit peu cette façon de fonctionner. Nous, on l'a refaite d'une autre façon, par exemple, sur la caserne Ruy, où alors là, on avait fait une procédure adaptée, un dialogue compétitif, où là aussi, on avait dit, il faut qu'on trouve des architectes qui vont pouvoir travailler ensemble, s'entendre. On ne va pas acheter un projet, on ne va pas acheter une perspective, on ne va pas acheter des usages, on va acheter des envies. Et est-ce qu'on va trouver les gens qui vont partager avec nous ces envies? Et ces envies, on les a construites ensemble avec eux. Et je sais que, par exemple, sur la Grande Ruy, tout a été construit en atelier. Il y avait Fine, il y avait beaucoup d'autres architectes. Et que, de temps en temps, les ateliers pouvaient être conflictuels, durs. Mais que, globalement, tout le monde s'est écouté. Et justement, ils ont travaillé sur la qualité des vues. Ils ont travaillé sur « je te pique ça pour mettre ça. Je te pique un peu de gabarit pour m'ouvrir là. Je vais faire tel type de matériaux ». Et on a eu cette cohérence, par exemple, à travers ce projet, à l'identique. Ce n'est pas les mêmes démarches, mais c'est quand même intellectuellement cette façon de faire du projet ensemble, parce qu'il y a une envie aussi de partager les choses, d'aller jusqu'aux matériaux, d'aller aussi travailler avec les entreprises. Enfin, moi, je vois sur la caserne, par exemple, où on a plusieurs entreprises, mais où ils ont des sous-traitants communs, parce que les châssis des fenêtres sont pratiquement tous les mêmes sur les bâtiments anciens. Donc, je pense que c'est vraiment la façon aujourd'hui de faire de la ville. Je veux dire, après, moi, je ne suis pas architecte, donc je suis très tranquille. Je ne mets personne à dos. Mais globalement, je trouve que ces projets-là, comme celui de la caserne, ce ne sont pas des projets de secteur d'aménagement. C'est des envies et des histoires qu'on se raconte ensemble. Ce n'est pas un archi-coordinateur qui, à un moment, décide, avec des maîtrises d'ouvrage multiples, différentes, de pouvoir faire plein de programmes différents. Voilà. Après, je trouve, des fois, manque un peu de cohérence. Alors que là, ça serait, enfin, je veux dire, aujourd'hui, ça serait un secteur d'aménagement. Hein. C'est quand même 400 logements, un équipement public, un jardin public, puisqu'il a été rétrocédé à la ville de Paris tout dernièrement. Voilà. Donc, cette façon de faire, je pense, justement, ça fait de la ville durable aussi, parce que vous avez su complètement travailler ensemble et intégrer votre projet. C'est quelque chose aussi qui a été souligné, je me souviens très bien, dans le conseil, par le rapporteur public et puis les résultats du Conseil d'État, de se dire, même si cette architecture n'est pas celle de l'environnement, sa dissonance en fait sa qualité, sa force aussi et la cohérence des bâtiments entre eux. Donc je pense que même au Conseil d'État, les gens ont relevé cette qualité de production à travers la façon dont ils ont travaillé. Et chez Cogedim, vous partagez ce diagnostic, vous encourageriez ce type de démarche ailleurs, sur d'autres sites, cette dynamique, nous aimons cet exercice, puisqu'Altarea Cogedim, en tant qu'entrepreneur de ville, a l'habitude de travailler sur des territoires assez, assez importants, sur des morceaux de ville. Nous avons d'ailleurs récemment travaillé sur le centre de Massy avec Christiane Porzamparc, Wang Dessy et Marie-Hélène Badia, qui ont travaillé également en synergie. Nous faisons aussi le centre-ville de Bobigny, où nous avons aussi une association d'architectes qui se sont choisis également pour travailler ensemble. Oui, c'est un exercice que nous aimons, et nous aimons pouvoir créer cette synergie entre les architectes, les faire travailler ensemble pour qu'ils puissent aller plus loin dans leur concept et dans leur façon de travailler. Ah, et du côté de Léon Gross, l'entreprise est... Elle souhaite que ça soit multiplié, ce type de démarche, ou bien il faudra en inventer encore une autre. Il faut toujours réinventer quelque chose. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas réinventer une méthode? Est-ce qu'on pourrait faire ça? Alors, retenter l'expérience, effectivement, ça a bien marché, effectivement. Donc oui, on est partant pour retenter l'expérience. Sur l'écoute, moi, je reviens sur la qualité d'écoute, en fait, qu'il y a eu entre les différentes parties, que ce soit la maîtrise d'ouvrage, les architectes, avec Anne, Gérard Le Goff aussi, et Francis, bien sûr, et Rudy. On a vraiment une qualité d'échange, et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas partout dans les opérations. Et c'est aussi, il n'y a pas eu d'égo, effectivement, ni entre les architectes, ni entre l'architecte et l'entreprise. Qu'on ressent aussi des fois dans certaines opérations qui sont comme pignon sur rue. Donc, il y a vraiment eu cette intelligence dans l'échange qui a été instaurée par les architectes et la maîtrise d'ouvrage, et du coup, qui a permis effectivement d'établir la confiance et de tenir le délai. Donc oui, bien sûr, dans ces conditions-là, on souhaite recommencer l'expérience. Ouais. Formidable. Francis ?
Juste un petit mot quand même, parce que tout ça, ça a l'air bien beau, mais il faut savoir que pour renouveler l'expérience, il faut aussi modifier un petit peu les choses aujourd'hui, notamment sur certaines lois. Et je reviens sur ma loi Elan, dans laquelle j'ai été un grand combattant, puisque je me suis interposé, je n'ai pas réussi, mais je vais peut-être y arriver encore, puisque prochainement, avec Pierre-René Lemas, on forme un groupe pour essayer de retravailler auprès du ministre la modification et la rectification de cette loi. C'est que là, les choses sont faites dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'on a un maître d'ouvrage qui terrain, qui lance un programme, qui fait les choses correctement, qui prend des architectes, qui lance un concours d'architecture, qui choisit le projet qu'il a envie de faire, qui prend une entreprise. On est presque dans le cadre de la loi MOP, je dis pour faire simple, hein, pour simplifier le système. On choisit une entreprise, on travaille avec elle, ça montre qu'il n'y a pas d'obstacle à choisir une entreprise, à travailler avec elle. Sauf que maintenant, c'est l'inverse. C'est les entreprises qui nous choisissent. Et ça, c'est pas possible. Je voudrais souscrire parce que je pense que cette opération, quand vous avez choisi à la cité de l'exposer, il y avait vraiment, d'une manière concertée avec Paris Habitat, Cogedim et Marie-Christine et toi-même, Francis, la volonté d'identifier à travers cette opération cette reproductibilité. Donc ça c'est quelque chose d'assez important. Donc Francis en parle. Pourquoi en fait cette opération est remarquable? Et la question de la reproductibilité, elle se pose quand même parce que bon, c'est une opération, on va dire, de 30 000 mètres carrés. Moi, il se trouve que je suis en train de faire une opération de 30 000 mètres carrés, une autre à Asnières, dans une configuration complètement différente qui peut être assimilée à la loi Elan. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui est aménageur, promoteur, constructeur. J'ai voulu, très naïvement, puisque j'avais eu la chance d'être choisie pour réaliser ces 30 000 mètres carrés, faire venir Jean-Marc Ibos et Myrto Vitard. Ce sont des architectes avec qui on est, on va dire, j'ai voulu créer la même synergie qu'on a eue à Auteuil. Qui ont réalisé des logements à Boulogne absolument remarquables. Donc leur qualité en tant qu'architecte et constructeur sont indéniables. Enfin, je veux dire, pas... Et donc c'est pour ça que j'ai réussi d'ailleurs à convaincre que ça serait bien qu'ils puissent travailler avec moi sur le sujet. Ça a été un combat pendant un an et demi, et j'avoue que je n'ai pas réussi à aller à l'encontre d'un système qui n'est pas compatible. Parce que c'est vrai que le fait que Paris Habitat, qui est un grand donneur d'ordre public, qui porte l'idée de la ville, est indissociable de cette recherche architecturale. Parce qu'on en discutait avec Pierre-Olivier Ravoir avant cet échange. C'est-à-dire que le temps de la conception, de la mise au point, est un temps extrêmement précieux pour faire bouger les lignes. Ou alors, dans ce cas-là, on prend un projet, on fait un copier-coller, et ça fait un peu la déshérence qu'on a à l'heure actuelle dans beaucoup, malheureusement, de grandes opérations de logement, où on voit un peu des bardages orange, un bardage vert, un bardage orange, mais on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire qu'au final, il n'y a pas eu le temps de la gestation du fait qu'on puisse mettre les choses dans le bon ordre. Donc, c'est-à-dire que quand, dès le début, l'entreprise, je veux dire au sens où quelqu'un qui vient faire des soustractions, au lieu de se dire il y a l'intérêt public qui est important, etc., qui vient faire accoucher d'un grand projet, il y a cette difficulté du moment de la conception qui est annihilée. Et donc, au final, pour revenir à cet exemple sur Asnières, j'ai dû continuer seule. Et pour moi, c'est vraiment un sentiment d'échec qu'on peut analyser quand même lié à cette possibilité pour l'architecture de se faire que dans certaines conditions. Oui, ça revient à dire qu'il faut les conditions du projet. On voit bien, c'est en effet les conditions législatives, les conditions économiques, les conditions, on pourrait dire, aussi de faire ça avec les habitants, parfois justement dans une logique intéressante de les faire. On a parlé de pédagogie, vous avez beaucoup insisté là-dessus, mais je crois que les architectes, en effet, savent faire la pédagogie du projet. Hein. Et ça, c'est peut-être pas assez dit. Mais je trouve qu'ils en sont... là, c'est une belle démonstration de ça. Alors, on va peut-être ouvrir quelques questions à la salle, parce que il y a peut-être des habitants ici qui vont peut-être nous donner leur point de vue, je ne sais pas. Ou des... Voilà, qui voudrait interroger nos invités? Attendez, on vous donne un micro, madame.
Je voulais poser une question au niveau de la maîtrise d'ouvrage privé. À quel moment était intervenue la maîtrise d'ouvrage privé par rapport au cahier des charges de la programmation des typologies? C'est-à-dire, est-ce que le projet était au niveau esquisse, avant-projet? Voilà, à quel moment la maîtrise d'ouvrage privé est intervenue, et notamment par rapport au propre cahier des charges de la maîtrise d'ouvrage privé par rapport à sa typologie et sa commercialisation? Voilà. Dès le début, en fait, quand on a commencé à travailler ensemble, il n'y avait pas de typologie prévue dans le projet. En fait, on a fait une étude de marché qui nous a permis de définir la clientèle visée et les typologies recherchées. On nous a pas imposé quoi que ce soit. On a travaillé ensemble avec les équipes commerciales de Cogedim qui connaissent le type de clientèle que nous pouvons avoir, et une réelle étude de marché a été effectué aussi bien pour, en ce qui concernait le Cogedim Club, que la résidence en accession, pour trouver la taille des appartements la plus adaptée aux demandes des uns et des autres. Donc la consultation de la cession de charges foncières est intervenue dès le début et sans projet. En fait, sans que les architectes aient travaillé par vos projets. Attendez, clairement, je disais, il y avait vraiment, c'était 100% de logements type familiaux. Voilà. Donc ça, c'était avec 50% partie sociale et 50% privée. Après, nous, on a donc, il y a eu le projet Lauréat, et c'est au fil du temps, nous, on a cédé des droits à construire avec un permis. Un permis qui n'était pas purgé. Donc nous, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, on a fait le choix d'y aller sans avoir purgé les recours. C'est aussi pour ça qu'il y a eu un décalage entre notre opération et celle de Cogedim. Et entre-temps, vous avez fait évoluer le projet pour être en adéquation avec les produits de vos clients. D'accord, donc c'est au niveau du permis de construire. Quoi. Le permis de construire a été déposé et Cogedim a repris le travail du permis de construire. Parce que les règles étaient clairement énoncées au moment du concours qu'il y allait avoir 50% de logements privés. Donc n'ayant pas effectivement le travail en fait, qui est indispensable avec le promoteur privé, on avait conçu cette question de bâtiment flexible par cette rationalisation. Donc d'accord, du coup, l'adaptation a été possible, comme ça a d'accord, été dit. D'accord, c'est important. Merci. Oui, moi je voulais poser une question sur est-ce qu'il y a eu une réflexion sur les loyers, évidemment, qui sont définis par la réglementation, mais sur la question des charges, et est-ce qu'il y a une réflexion plus globale sur l'adaptation du coût global loyer plus charge à des familles très très modestes dans la ville de, enfin, dans cette partie de la ville de Paris? Alors, clairement, il y a 176 logements sociaux. Il y a la moitié qui sont des logements de type PLUS, qui sont les financements classiques du logement social, où en moyenne, les gens vont payer, ramener au mois hors charge, de l'ordre de entre 8,50 euros et 9 euros du mètre carré, hors charge. Comme le soulignait tout à l'heure Francis, on est en plus sur des charges très réduites, puisque l'immeuble est plan climat. En termes de confort d'été, il fonctionne. Voilà. Donc globalement, les charges aujourd'hui sont bien inférieures à celles qui sont pratiquées encore aujourd'hui dans certains logements sociaux. Donc ça, c'est la grande partie avec les 50% en plus. On a de mémoire 20% en PLAI. Donc là, c'est vraiment des logements pour les familles les plus modestes. Voilà. Donc c'est un couple avec un enfant ne peut pas excéder de mémoire 3000 euros par mois, sachant qu'à Paris, on n'attribue jamais des logements à des gens qui sont à des plafonds. Voilà, ils sont toujours entre 80 et 60% de ces plafonds. Donc ils sont vraiment très très bas. Un couple avec un enfant en PLAI, en moyenne, doit être en dessous de 2000 euros de ressources aujourd'hui à Paris. Donc là, ils payent en moyenne entre 7 euros et 7,50 euros, avec des montants de charges aussi encadrés, on va dire. Et ensuite, il y a 30% de PLS. Donc les PLS, c'est plutôt le logement social, mais intermédiaire, où là, les familles ou les isolés vont payer de l'ordre de 13 euros du mètre carré hors charge par mois. Voilà. Donc ça reste le panel, entre guillemets, des logements sociaux, et les trois grandes catégories qui permettent de loger les Parisiens dans leur diversité. Des familles des plus démunies, des plus modestes, jusque voilà, dans les PLS, aujourd'hui, on loge un couple de profs qui seraient bien incapables de vivre aujourd'hui dans du parc privé entre 25 et 30 euros du mètre carré. Voilà. Donc globalement, c'est la vraie mixité, elle est au niveau de l'échelle du quartier
entre la ville à Montmorency, vos logements Cogedim et nous, logements sociaux, on a les panels des trois catégories de financement. Et puis il y a un lieu où tout le monde se retrouve, c'est le jardin, et surtout la crèche où les enfants, il n'y a pas d'étiquette de revenus, ce sont des enfants qui vont à la crèche, qui sont ouverts à nos locataires, à vos habitants, et puis aux habitants du quartier. Oui, monsieur. D'abord, bravo pour l'exposition, hein, qui est un modèle du genre, et puis pour les photos. Hein. Vous avez répondu d'avance à mes questions, sauf une, je ne sais pas si vous pourriez y répondre. Donc j'ai bien compris le travail des architectes et le caractère très positif dans le montage de l'opération de Paris Habitat. Mais est-ce que les architectes ont apporté une conception qui a été accueillie, ou est-ce qu'il y a eu vraiment un moment où ça renvoyait la balle pour déterminer le concept? Je pense qu'il y avait cette attention, on va dire, à l'époque, il y avait Pierre-René Lemas, en fait, qui a été quand même un très grand directeur de Paris Habitat, qui avait cette volonté de promouvoir, qui a été tout au long tenu comme fil rouge, de promouvoir l'innovation. Et ça, je pense que quand même, à un moment donné, alors évidemment, il y a des mises au point qui étaient liées à la complexité inhérente à la taille de l'opération, à cette justesse dont Hélène a beaucoup parlé, et à juste titre, de ce côté sur mesure de chacun des appartements. Mais on va dire, c'était toujours, on va dire, très constructif. J'ai l'air de dresser un élément idyllique, mais c'est vrai que, on va dire, il faut, pour qu'une opération comme ça sorte, qu'elle ait été portée. Elle a été portée. Et ça, on va dire, c'est indéniable. Hein. Enfin, je veux dire, la longueur. Moi, ce que je trouve pas normal, c'est que ça dure aussi longtemps, et que je trouve qu'il y a quelque chose de politiquement très incorrect qu'on retarde autant à Paris. Mais sinon, sur la genèse, en fait, de cette opération, il y avait des discussions, mais discussions pour essayer de faire avancer au-delà de ce qu'on faisait d'habitude. Et je crois que, Francis, c'est toi qui as plus œuvré sur la partie sociale. Tu pourrais peut-être dire en quoi ces mises au point ont fait un peu bouger les lignes. Oui, c'est-à-dire, en même temps, ça correspond. Il y a eu bien évidemment des va-et-vient entre le maître d'ouvrage et l'architecte au début de sa conception, puis ensuite avec l'entreprise. Tout ça a fonctionné dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'il y a, dans la conception des bâtiments, des choses qui nous sont personnelles. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas demandé de faire des bâtiments flexibles, par exemple. On les a fait. C'est des propositions, mais c'est des propositions qu'on faisait. À l'époque, ça n'existait même pas, on n'en parlait encore pas. Et là, c'est vrai que entre l'obsession que je peux, moi, avoir déjà depuis la rue d'Urquin, où on a déjà fabriqué ça il y a déjà 21 ans maintenant, et Anne, qui le fait encore mieux à Strasbourg avec les Black Swan, non, mais c'est vrai, c'est comme ça. Donc ça fait partie de nos obligations d'architecte. Mais ça, sans qu'on nous le demande, c'est-à-dire on l'a fait. Donc il y a des choses qui étaient apportées par nous, parce que ça fait partie de nos obsessions. La mise en scène, par contre, du logement social par rapport à du logement privé, c'est un sujet qu'on a tout de suite pris en cause, parce que ça nous plaisait. Ça nous plaisait d'aller, c'était Bertrand Delanoë hein, qui avait fixé ce pari, cette idée nous plaisait. C'est-à-dire, on s'est dit, tiens, on va, en même temps, ça va faire un petit peu chier les gens du 16e, c'est bien, mais c'est pas ça, c'est vraiment qui... bon, c'est pas ça qui était... Non, mais c'est pour Pléporine. Je plaisante un petit peu, mais je veux dire, ça fait partie des choses qui sont importantes, parce qu'on a amené d'un seul coup un souffle nouveau. Et dans toutes les observations qu'on a aujourd'hui sur site, on y va assez souvent, on va voir la gardienne, notre amie la gardienne, et ben c'est qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté du privé ne se plaignent pas de la proximité du tout du social, et les gens du social, a fortiori, non plus. Et ça, c'est bien. Et ce qui était bien dans cet enjeu, c'est qu'on avait dit à l'époque à Paris Habitat comme un enjeu qu'on allait, parce que c'était aussi nos obsessions, faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence entre le social et le privé. Et ce qui nous a fait le plus plaisir, c'est quand un jour on s'est promené avec Marie-Pascale Arnaudet sur le site, et que deux petites dames qui n'arrêtaient pas de nous emmerder depuis 5 ans, avec des recours, sont venues nous voir et nous disent « logement social fini », nous disent « quand est-ce que vous attaquez le social ?» On avait gagné. C'est là qu'on avait gagné. On avait vraiment gagné. Parce qu'ils avaient l'impression que les deux bâtiments que nous avions fait, Rudy et moi, ben, c'était du privé. Donc ça veut bien dire que le pari était réussi. Et donc tout ça, ça n'est possible que parce que, en plus,
et c'est un mot que moi je veux utiliser ici, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une confiance extrême entre les maîtres d'ouvrage publics, les maîtres d'ouvrage privés, les architectes et l'entreprise. Et ça, c'est essentiel. Essentiel, parce qu'il y a plein de choses qui se sont faites au fur et à mesure, comme par exemple ton espace magnifique, il ne s'est pas fait tout de suite, hein. Ce n'était pas à l'origine du projet, il n'était pas là. C'est fait parce que les bâtiments étaient flexibles et qu'il y a eu des modifications. Donc ce que je veux dire, c'est que le bâtiment bouge en fonction des avaries parfois, ou des tempêtes, des orages qui arrivent dans le projet, ou des modifications tout simplement, des avancées. Donc il y a des choses qui sont effectivement demandées, mais il y a aussi des choses, il faut le dire franchement, qui nous sont personnelles. Je crois que c'est comme ça qu'on fait un projet, hein. Bonne architecture, c'est pas forcément que un bon architecte. Il faut un bon architecte à la base, mais il faut un bon dialogue entre le client et l'architecte. Parce que si on se comprend pas et si on n'arrive pas à travailler ensemble pour arriver à retranscrire les besoins du client, qui nous en tant que promoteurs, nous connaissons notre client final, celui qui va habiter dans l'appartement. Donc on est obligé de retranscrire. Travailler, créer des immeubles en VFA, c'est très complexe en fait, parce que vous créez des appartements pour des gens qui n'existent pas encore. Donc tout notre travail, toute la complexité du travail, c'est de travailler pour anticiper les besoins, anticiper les usages que nos acquéreurs vont pouvoir avoir de ces appartements. Donc c'est le dialogue avec l'architecte qui sera le plus important, qui nous permettra de vendre ces appartements et qu'ils soient bien vécus et bien vendus. Moi, j'ai une question sur l'aspect industrialisation et son impact sur l'économie de la construction. Donc j'ai compris que l'échelle de 200 logements donc, était la bonne échelle, à partir de quoi il y avait cet effet d'industrialisation. Alors, question un peu générale, c'est par rapport à la taille moyenne des opérations que vous faites, quelle est la fréquence d'opérations de plus de 200 logements, pour le situer un peu par rapport ou pas. Ça, c'est en gros, hein, hors de grandeur. Et puis après, peut-être à l'entreprise, comment vous évaluez ça? Donc, une opération de 200 logements qui est conçue de façon avec un souci de permettre une industrialisation. Donc, comment vous l'appréciez? Est-ce que vous savez dire, par exemple, c'est un coût au mètre carré de tant de pourcents de moins que si c'est une opération lambda, où ce souci n'est pas présent, ou quelles autres façons quantitatives ou qualitatives vous avez de l'apprécier? Sur la partie industrialisation, en fait, la chance qu'on a eue sur cette opération, enfin sur ces opérations, c'est qu'elles sont elles se sont passées en deux temps, elles se sont déroulées en deux temps. Ce qui nous a permis en fait d'affiner en fait les process, de les optimiser pour être encore plus compétitifs après sur la deuxième partie de l'opération. Oui, il y a eu des matrices, si on va un peu dans la technique, il y a des matrices qui ont été développées pour les occultations. Il y a toute une série d'outils, en fait, hein, des filières spécifiques, hein, sur le bâtiment de Francis. Avec des industriels, on a travaillé en partenariat avec des industriels aussi pour développer ces filières spécifiques pour les châssis vitrés, de manière à satisfaire le maître d'œuvre, mais aussi dans cette idée d'amortir après sur les quatre bâtiments. Alors, quantifier cela, ça va être c'est assez difficile. C'est assez difficile parce qu'on travaille que sur des prototypes et après on travaille sur une série en fait sur ces quatre bâtiments. Mais en tout cas, il y a eu un effet effectivement, et le fait d'avoir les deux opérations consécutives nous ont permis cet effet-là, cet effet de levier. Du coup, justement, il ne faut pas se tromper, parce que souvent ça a été dit que ces opérations pouvaient coûter plus cher que des opérations traditionnelles. Je m'inscris en faux contre ça, parce que, pour tout vous dire, si on prend la totalité de l'opération, ne serait-ce que la partie sociale, le DGD de l'entreprise signée, à 32 millions, si vous enlevez ce qui est anormal, comparé à d'autres opérations parisiennes, c'est-à-dire le jardin avec son hectare et demi, la crèche qui est en plus, ou même les 150 places de parking qu'on a fait en plus, parce qu'on a répondu à des besoins périphériques, on atteint 1743 euros le mètre carré, SDP, aujourd'hui. Donc, valeur actuelle. Il est là, hein, pour l'en témoigner. Donc, c'est ce qui veut dire que la méthodologie mise en place sur l'industrialisation et sur les effets de masse, alors effectivement 200, 300, 400 logements, je ne sais pas, mais ça permet de rentrer dans les coûts, puisque un des objectifs finalement de Cogedim, je dirais, et de Paris Habitat, c'est de dire, nos deux impératifs, c'est les coûts et les délais. Après, on parlera d'architecture, mais d'abord, vous respectez les coûts et les délais. Et on est resté dans les coûts et les délais.
vous aussi, à quelque chose près, parce que vous avez quelques suppléments en plus, mais pas dû à la défaut des architectes, hein, non, dû à des prestations complémentaires, parce que la clientèle est quand même assez difficile, hein, je crois. Petite question, est-ce que, vous avez parlé de recours, vous avez parlé de... Est-ce que vous êtes aperçu que finalement, les parkings ont été acquis par des gens qui auraient posé des recours? Est-ce que cette situation... parce que c'est intéressant de voir finalement ceux qui, au bout du compte, découvrent que l'opération, elle a beaucoup d'avantages. Ça m'intéresserait d'avoir... Qui pourrait répondre? Je ne sais pas à qui. Ah, moi, je la pose. On a rencontré un voisin qui nous a attaqué pendant 5-6 ans et qui a acheté deux parkings et qui nous a dit finalement c'est vachement bien ce que vous avez fait. Alors je ne sais pas si parce qu'il avait réussi à avoir deux parkings qu'il ne pouvait pas avoir depuis des années puisqu'il n'y avait pas de stationnement dans le quartier. Potentiel, il n'y en avait pas. Donc Paris Habitat a rajouté 150 places pour, avec des accès indépendants, badges indépendants qui rentrent dans le bâtiment de Rudy d'ailleurs. Hein, je crois que c'est au rez-de-chaussée. On rentre par le bâtiment de Rudy pour accéder à des places achetés, privés, qui ont été donnés à l'environnement. C'était aussi peut-être pour calmer un peu, je ne sais pas si sur le plan politique ça sert ou pas, mais ça calme un peu les gens. Non? C'est vrai que les places de parking ont permis de temporiser, on va dire, les choses. Pour moi, c'est un ancien temps, les places de parking. Je pense qu'aujourd'hui, on serait en guerre parce qu'on ne fait pas de places de parking. Donc ça, c'était un deal qu'on avait trouvé. Bon, on va faire des places de parking pour les ménages qui vivent aux alentours, qui ont en moyenne... plutôt encore deux voitures. Voilà, ça existe encore à Paris. Donc c'est vrai qu'ils sont empressés à louer ces parkings. On leur a rendu service. On a aussi eu au téléphone des personnes qui étaient les mêmes, qui se plaignaient des pauvres qu'on allait mettre à côté de chez eux en disant « J'ai ma nièce qui vient à Paris. Comment fait-elle pour avoir un logement chez vous ?» Donc on leur explique que c'est des droits d'attribution, donc c'est loin. Et on voit petit à petit, tout tombe. Je veux dire, pour chaque projet, je veux dire, moi je le vis depuis quelques années maintenant, quelques décennies à Paris. C'est les oppositions, je ne vous dis pas les réunions publiques, les noms d'oiseaux qui fusent, les courriers incendiaires anonymes. Et puis à la fin, tout s'apaise, tout devient normal, tout vit et tout le monde s'oublie. Voilà. Et donc, pour ça, je vous dis toujours, il faut continuer à se battre pour que les projets sortent, même si, comme tu le dis, Anne, hein, c'est long, mais je crois qu'il faut quand même tenir bon. Je pense que c'est la démonstration par l'exemple. Je crois que c'est ça qui finalement rallie tout le monde. Hein, ce caractère d'opération que j'ai qualifié d'exceptionnel. Et je le pense vraiment pour toutes les raisons qui viennent d'être développées là. S'il n'y avait pas d'autres questions... Si. Il y en a une. Deux. En l'occurrence, ce n'est pas une question, mais par rapport à cette opération exceptionnelle, on a parlé beaucoup d'architecture. Et de la qualité architecturale. Et pour avoir quand même pas mal arpenté le site, moi je voudrais revenir sur la C'est le photographe qui parle. C'est la qualité urbaine. La qualité urbaine de ce projet, parce que comme vous l'avez dit au départ, vous n'êtes pas inscrit dans un concept d'îlot haussmannien qui aurait généré des alignements et des cours, mais au contraire, vous avez créé des îlots ouverts. Et ces îlots ouverts, ils génèrent des espaces qui sont des espaces de grande qualité, des espaces, moi j'en identifie quatre, des espaces potentiellement publics, qui aujourd'hui sont plutôt des espaces privés par leur usage, mais potentiellement qui pourraient être ouverts. Parce que je pense notamment à l'opération du point du jour de Pouillon, qui a aussi cette qualité urbaine à la fois d'architecture, de paysage et d'urbanisme, mais les espaces dans la journée sont ouverts aux riverains, aux gens du quartier qui peuvent traverser, qui permettent des pratiques urbaines. Actuellement, sur le projet de la Porte d'Auteuil, ce n'est pas le cas, puisqu'on est dans des projets qui sont quand même... fermés, c'est-à-dire ces espaces qui sont des vraies places. Parce que là, il y a quand même un objet, une pièce urbaine fabuleuse qui a été réalisée avec ces quatre bâtiments qui génère ces places, et ces places sont fermées. Et je voudrais savoir si à terme on peut imaginer que aussi ces espaces soient rendus à la ville et offerts aux riverains. Qui pourrait en profiter parce qu'il y a une qualité de paysage, de jardin qui est quand même tout à fait singulière.
Moi, je parle en tant que maîtrise d'ouvrage, mais public, hein, je laisserai le privé. Je pense qu'à l'époque où ce projet a été conçu, on n'était vraiment pas encore dans cette, entre guillemets, de l'utilisation, de l'usage de l'espace public comme on l'a aujourd'hui tous. On l'a vu en moins de 10 ans, combien cette ville vit ses espaces extérieurs de manière très différente. Donc c'est vrai, quand on a conçu ces espaces, c'était un peu chacun chez soi. Voilà. Alors maintenant, il y a la ville de Paris quand même qui récupère une partie du jardin. Mais je suis persuadée, pour le vivre à travers d'autres projets, hein, en construction neuve, comme en réhabilitation lourde, comme en réhabilitation de notre patrimoine. Enfin, on a un patrimoine juste incroyable à Paris. C'est de dire que les frontières vont finir par se fondre parce que les riverains ont besoin et veulent vivre des espaces publics, enfin des espaces verts ou des espaces vides, de manière plus libre, que nos locataires, nos habitants, enfin je vous rappelle juste que nous on loge un Parisien sur 10 quand même aujourd'hui, vivent plus du tout leurs espaces extérieurs comme ils le vivaient il y a quelques années. Je veux dire, la cour proprette où le gardien ou l'entreprise de nettoyage nettoie tous les matins, c'est un peu terminé. Je veux dire, les gens investissent ces lieux. Donc on voit bien que petit à petit ces lieux vont s'ouvrir. Il faut juste prendre le temps, voilà, pareil, tout est long, mais c'est la ville, que tout le monde s'accorde aussi sur des problèmes juridiques, de ça c'est le foncier de la ville, ça c'est le foncier de la DFPE, donc la petite enfance, ça c'est le foncier de Paris Habitat. Je dis toujours, on est quand même tous la même famille, on pourrait un peu mutualiser. Donc il y a des frontières à faire, entre guillemets, tomber dans cette ville, enfin, je parle pour la partie publique, assez rapidement. Mais moi je suis confrontée à ces problèmes tous les jours, l'autre jour encore dans le 13e arrondissement, on a une rue qui est une rue publique, qui donne que dans du parc social de Paris Habitat. Je dis, mais cette rue, elle ne sert à rien, à part à dealer, à avoir des dysfonctionnements graves. Pourquoi cette rue ne devient pas un espace ouvert, où on fait tomber nos clôtures, où ça devient une extension d'un jardin? Et là, c'était branle-bas de combat à la ville de Paris. La voirie appartient à la DVD, le jardin appartient à la DEV, vous, vous êtes chez vous. Et puis alors, les réseaux, vous avez des réseaux qui passent sous la voirie. Donc dans ces cas-là, il faut dévoyer tous les réseaux pour qu'il y ait un espace en pleine terre. Donc vous rentrez dans des usines à gaz. Donc on sent bien aussi qu'on va tous devoir un peu changer nos méthodes et notre façon d'approcher l'espace public pour justement de plus en plus partager les choses. Mais là aussi, je reste optimiste. Non, mais on est très heureux d'entendre cette note optimiste, parce que ce qui nous avait beaucoup choqué, c'est qu'une des opérations majeures à Paris, qui est emblématique vraiment dans l'histoire du logement et de la ville à Paris, je veux parler de des hautes formes de Christian de Porzamparc dans le 13e, vous parlez du 13e, eh bien, elle a été ouverte pendant 25 ans ou 30 ans, jusqu'au jour où on a mis des barrières et des digicodes. Donc ça, c'est la négation de la ville. Donc c'est quand même quelque chose qui est... Et là, la négation même d'un projet qui était accepté et très bien vécu. Donc là, il y a un paradoxe. C'est vrai que si vous pouviez avoir raison, ça serait formidable, mais vite. Alors, ça serait bien. Est-ce qu'on pourrait imaginer que vous ayez raison vite? J'ai rarement raison vite. Maintenant, je suis un peu trop fragile, il faut le savoir. Non, alors là, les hautes formes, j'en parlerai à mes collègues de la RIVP et à Serge Comta pour lui dire. Mais après, il faut être clair, on est aussi confrontés. Enfin, moi, je le vois, à un vieillissement des populations qui vivent dans le logement social et qui, tout à coup, aiment bien aussi ne plus être dérangées. Je vois aussi un peu le choc quand, avec le taux de rotation des logements, où on a des générations entières qui sont arrivées au même moment, qui sont aujourd'hui des personnes âgées. Enfin, à Paris, moi, j'ai des bâtiments où 80% ont plus de 70 ans. Donc c'est vrai, quand on réintroduit des gens avec des enfants, c'est un peu compliqué. Mais je pense que petit à petit, les choses vont se... Enfin, je reviens petit à petit, les choses. Mais je pense que on travaille pour la ville, je veux dire, pour... je me dis toujours, c'est pas moi, à l'instant T, qui vais en profiter, c'est les gens à venir qui, eux, j'espère, pourront profiter de la ville qu'on est tous en train de construire aujourd'hui. Une dernière question. J'ai vu... Pardon. La maîtrise d'ouvrage public, mais pas la maîtrise d'ouvrage privé. Et j'avoue que pour faire une autre opération avec Cogedim ailleurs, où des appartements se vendent à 20 000 euros le mètre carré, à peu près, en moyenne, les gens n'ont pas envie d'avoir des clodos chez eux. C'est tout. Donc à partir de là, parlons simple. Je veux dire que c'est tout. C'est, voilà. Donc à un moment donné, ça existe, cette chose aussi. Donc il va falloir le traiter à la fois de l'espace public et puis aussi chez le privé. Mais j'aimerais bien t'entendre. Mais c'est vrai. Oui.
c'est vrai que les choses changent. Et si on avait refait ce projet, peut-être aujourd'hui, on ne l'aurait peut-être pas fait de la même façon au sujet des espaces. L'immeuble dont parle Francis, c'est un autre cas. C'est dans un tissu beaucoup plus urbain, beaucoup plus fermé. Mais je pense que le changement d'usage vient aussi des pays voisins, nos pays du Nord. Vous allez vous balader dans les pays du Nord. Cette transition entre le privé et le public n'est pas traitée du tout de la même façon. On voit les jardins privatifs qui sont complètement ouverts sur l'extérieur. Le français évolue, mais il n'est pas encore complètement ouvert. Mais dans nos projets, par exemple, à Essy-les-Moulineaux, on a créé des rues intérieures qui sont traversées par les écoliers qui vont de l'autre côté du pâté de maison, mais qui sont fermées la nuit. Pour l'instant, on arrive de plus en plus à créer des parcelles comme ça, où le public ou les extérieurs traversent nos copropriétés, nos ensembles, et se ferment la nuit. Mais je pense qu'on va évoluer comme on a évolué aussi pour les espaces collaboratifs dans les immeubles. La frontière entre public et privé commence à beaucoup évoluer. Les terrasses partagées, qui n'existaient pas pendant très longtemps et qui n'étaient pas un usage français, entre guillemets, commencent aussi à arriver dans nos immeubles de plus en plus. Si je peux me permettre, moi je considère que les SDF font partie de la ville, mais ça c'est un autre sujet. Moi je pense qu'aussi, on s'acceptera tous s'il y a de plus en plus de mixité, s'il y a de plus en plus de clivage entre d'un côté les très riches, je suis désolée, mais qui achètent à 20 000 euros du mètre carré, moi je trouve ça... Et puis les très très pauvres que nous on loge, ça pourra pas fonctionner, on va pas se supporter, on vivra chacun dans des arrondissements différents et de manière très clivante. Donc je pense qu'il faut qu'on se batte tous pour la mixité sociale et que la classe moyenne, supérieure, inférieure, et le droit de vivre dans cette ville. Et pour moi, je pense que c'est essentiel. C'est comme ça aussi qu'on finit par s'accepter et d'accepter les différences. Hélène, je voudrais juste te dire, mais je ne vais pas mettre de... On va dire, là, je vais être peut-être un peu politiquement incorrecte, mais en fait, la limite entre la partie sociale et la partie privée, c'est vous qui l'avez voulu qu'on la mette. Moi, j'avoue que je n'ai juste pas compris, quoi. Je suis d'accord, mais je te dis, je fais partie, moi, d'un système public qui est chacun chez soi et on vit tranquille et on ferme parce qu'il faut calculer les charges, ci et là. Je suis la première tous les jours à me battre. Alors moi, je suis en charge de la maîtrise d'ouvrage, donc c'est un peu... Mais contre la maîtrise, la proximité, de se dire, il faut aussi qu'ils évoluent. Et je vois maintenant cette volonté que la proximité, donc les collaborateurs de proximité, ont un rôle différent maintenant. Je veux dire, on ne sait plus la gardienne, comme on pouvait l'entendre il y a encore 50 ans. Aujourd'hui, c'est des gens qui facilitent aussi l'usage des bâtiments. C'est aussi pour ça qu'on fait de plus en plus appel à des assistantes à maîtrise d'usage, quand on intervient lourdement sur les immeubles en amont, pour apprendre aux gens à utiliser les choses différemment et que ces clôtures tombent. Voilà. Mais il y a des cultures comme ça, pour lesquelles il faut se battre. Voilà. Bien. Alors, sur ce beau message de la fin des barrières, alors, vous aurez bien compris que l'exposition est sur l'éloge de la méthode, mais pas sans l'éloge de la mixité. Hein. C'est le grand message que nous passons ce soir. Donc, je vous rappelle que cette exposition, là, est jusqu'en fin septembre, avec ses prototypes à échelle 1, et je vous signale la parution de Archiscopie avec, sous la plume de Jean-François Pousse, justement une analyse critique de cette opération, encore une fois exceptionnelle. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis sur cette opération. Au revoir.